Me place devant toi le budget qui ne fait que faire. Me déclarer dans le nom de Jésus de vos pouvoirs, tous nos besoins, de tout le gouvernement, ministre, advisor, la sagesse et l'intelligence pour prendre une décision adéquate. Seigneur, envoie Bandimoun comme à Joseph avec la sagesse, l'intelligence, le plan, la stratégie de Dieu pour qu'il capable l'île Maurice continue fleurir, continue épanouir. Maintenant même, tout mensonge, malinterprétation, malentendu, la crainte, confusion, mensonge qui va diminuer de servir pour créer des instabilités dans nos pays. Nous chassons tout dans le nom de Jésus. Moi, me déclarer l'Éternel est le berger de l'île Maurice. Me confesser nos économies peut fleurir. Me déclarer tout le Mauricien pour notre pouvoir d'achat. Tout le qui gagne dans nos pays pour vivre béni, en bonne santé, en bon la vie dans le nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de devoir pour ajouter. Moi, je dis fait, il ne faut pas ajouter pétrole. Vous vous souvenez? Si je dis fait, il ne faut pas ajouter pétrole. Il nous devoir pour prier. Et quand nous prier, bon Dieu pour agir. Deuxième affaire, nous pouvons prier. Mes enfants, pays composés en ce moment, deuxième thème, nous pouvons prier dans le nom de Jésus pour tout l'examen que mes enfants peuvent composer, deuxième thème. Il nous devoir encore une fois pour prier. Papa, dans le nom de Jésus, moi je te remercie pour tous les enfants qui peuvent composer. Les enfants parmi nous, moi louer toi. Moi couvre-toi par le sang de Jésus. Papa, moi je te remercie pour la bonne main de Dieu qui peut agir. Moi louer toi, Seigneur. Donne-toi de la sagesse, l'intelligence, la santé qui besoin. Donne-toi de l'habilité pour rappeler ce que je veux apprendre. Mets dans notre potentiel, mets dans notre capacité, Seigneur. Et moi prier qu'ils travaillent sur la main, ils bénis. Moi prier qu'ils aient réussi dans le nom de Jésus, de ce que je peux entreprendre. Et moi prier dans le nom de Jésus, qui tous ces enfants-là, je vous garde le sont très bien au nom de Jésus. Oui, Seigneur, moi attendre ma distinction. Moi attendre un bon résultat. Me permettant que vous sortiez avec flying colors dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. On a un cadeau qui me s'est amené pour les enfants dans l'église, pour partager. Gloire à Dieu, merci Jésus. Viens là, jeune homme. Tu as trouvé une vie d'église, tu as un cadeau. Tu as continué l'église. Dieu bénit toi. Dieu bénit toi. Aime tout toi. Tu allé à l'école. Tu as fait out. Tu as fait remarque de toi. C'est ça a besoin de ramia sur les enfants. Tu as besoin d'eux, tu donnes tout le DN. Gloire à Dieu, ça. Et puis, c'est un coin qui can. Peut-être que je pouvais là. Il y a des enfants que tu non, ou il y a des enfants qui à l'école. Ou non. Toi, tu te fais hâte. Tu vas faire hâte. Tu as besoin de toi. Pas de mon cadeau. Gloire à Dieu, merci Jésus. Voilà. Ah oui, oui, oui. Des pas que ce titifie, justement. Des pas que ce titifie. Ouais, là, voilà, voilà, voilà. Des pas que ce titifie. Bonjour. Hey! Bienvenue, bienvenue. How are you doing? Qu'est-ce que ça fait là? Aïe. Allez, fais non, rien. C'est qui me bonnet qui a un cadeau. Côté petit. Allez, fais non, rien, fais non, rien, fais non, rien. Qu'est-ce que ça avec je? Gloire à Dieu. Ça pour petit. N'est petit là, ça, hein? Tu t'en pousses. Gloire à Dieu, merci Jésus. Avant de venir, je vais dire bonne nouvelle. Nous gagnons ça 24-7. Nous négocions hier pour nous gagner 24-7. Voilà, grâce à Dieu, nous gagnons tout approval. Ça, nous avons une provision pour défendre ça. Et nous mettons une télévision bientôt là. Nous mettons une foule bientôt là. Il va de gloire en gloire. Je vais dire gloire à Dieu. Merci. Voilà, la fête, je suis en venir là. Un mois, on fait là-bas? Un mois. Dieu bénisse. Mon Dieu, tu es dans la longue chambre aussi. Qu'est-ce que Kate? Kate est toujours Australie là. Kate est avec son maman Australie. Voilà. Ok, laissez-moi passer directement la parole de Dieu. Merci Jésus. On va mettre mon recording. Gloire à Dieu. Bon, ça c'est tout dans le nom de Jésus. Bienvenue dans nos sessions les dimanches. Ok. Est-ce que le peuple de Dieu bien? Amen. Nous faisons nous dire, Seigneur Jésus, mon commande, mon pensée, mon équerre, mon attitude, mon âme, mon imagination, mon homme intérieur, mon conscience, mon émotion, mon sentiment, vine captif à l'obéissance de Jésus-Christ. Fils, l'amour prématuré, mort et fils, cancer, mort et fils, diabète, mort
refuse tension, je refuse cholestérol dans le nom de Jésus. Je déclare Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Je confesse mon multimillionnaire qui est généreux. Amen. Bien fort l'Église, que la Bible de Genèse 42, 28. Allez, un petit peu plus fort pour rendre bien de mon recording. Que la Bible de Genèse 42, 28. Comment pas mesure de commettre ça dans le message, quand je peux rouler dans le dos, je mets ça bien fort et je tente le peuple et répondre bien fort d'ailleurs. Et encourageant, intéressant pour écouter, non? Que la Bible de Genèse 31, 41. Moi la paye pour vine 10 fois plus. Semaine passée, mon gars, trois qui gagnent, qui disent, ma pasteur, mon gars, un nouveau travail, et nous payons presque 10 000 roupies en plus dans le travail. Ça, semaine qui ne fait que passer là encore, trois qui gagnent, disent, ma pasteur, mon gars, une interview, moi, j'ai déjà un travail, mon gars, une interview, et la paye est augmentée encore. C'est qui nous peut confesser, puis vivre vrai. Mais continue à confesser. Et n'a dit pas, c'est quand ça peut arriver dans mon avis. Continue à confesser, toi. Continue à confesser. De Dieu, gloire à Dieu. Que la Bible dit, Genèse 50, le verset 20, c'est que toi, tu ne penses du mal pour faire moi, bon Dieu, il tourne ça pour maudit bien. Que la Bible dit dans Genèse 33, verset 11, Dieu, il comble moi de grâce. Non. Combien m'a marqué? Barrette boule. Boule football. Non, rien m'a pas marqué. Frère, viens jouer au football le vendredi. On démarre même, en passant. Que la Bible dit, Exode 14, 14, bon Dieu, lui-même, il peut combattre pour moi. Fais-moi dire qu'on a une maladie, fais-moi dire qu'on a un problème. Au lieu de tout seul au bureau de la guerre avec sa maladie, avec sa problème, là, crois et attend que bon Dieu peut être pour la guerre, lui pour la guerre, pour vous. Je te dis amen. Amen. Qu'il a dit Genèse 23, 23, ni la sorcellerie, ni la divination, ni la prière de l'âme, ni coco banane sorcellerie, non, rien, pas capable, prévaloir contre moi. Je te dis amen. Qu'il a dit Genèse Zacharie, chapitre 2, verset 5, bon Dieu, un miracle, dit fait autour de moi. Qui la Bible dit Ecclésiaste 3, le verset 11. Bon Dieu fait tout qu'il chose joli dans son temps. Comment qu'il chose? Tout qu'il chose. Mon cheveu, mon figuier, mon écho, mon les os, mon la viande. Fais-moi dire la case, mon co crépi. La case crépi. Fais-moi dire une finie crépi pour encore peinturer. La peinture. Parce qu'il y a un verset là. Bon Dieu fait tout qu'il chose joli dans son temps. C'est ça qui est la crème la main, là, mon la main blanc. Je suis sur l'internet, je trouve mon âme, je fais un commentaire. Non, mon Dieu, maintenant tu fais la crème. Gloire à Dieu. Je ne vais pas guider la base, je guide moi. Qui la Bible, Jacques des Apôtres 28, verset 18. Mon pan fait un an, rien. Et moi, je mérite la crème, je mérite l'amour, là, moi, non. Je dis, mon pan fait un an, rien. Qui mérite l'amour. Qui la Bible, Jacques dans Zacharie, Zacharie, une finie. Qui la Bible, Jacques dans Joël 3, le verset 21. On va pas trop dire, qui bon Dieu ne fait? Pas trop cancer. Qui bon Dieu ne fait? Pas trop Covid. Qui bon Dieu ne fait? Une lame de 10 ans. La fièvre, la fienza, la grippe, bizarre, les toxicoliques, bizarre, les trucs qui n'ont pas 10 ans, mauvais, ma langue, bizarre, les. Parce que bon Dieu, l'âme, 10 ans. Je te dis amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. On a directement avec la parole de Dieu. Peuple de Dieu, depuis maintenant, sur les 6e session, aujourd'hui, nous pécons aux finances. Nous tous nous vivons dans la vie et dans le monde que nous nous cassons. Ou content, pas content, ou besoin l'argent. Parce que c'est quelque chose pour vous-même, pour la vie, ou aux enfants, pour aider les autres qui kennent. L'argent, il fait une partie intégrale d'un monde sur la vie. Bon Dieu, pas créé Adam et Ève dans l'espace. Quand bon Dieu crée Adam et Ève, il mettait l'eau la terre et non l'argent, l'eau. En fait, tu peux dire bien, dans Genèse chapitre 1, qui qu'un relevé, c'est là pour moi. Genèse chapitre 1 ou bien chapitre 2. Quand bon Dieu finit créer Adam, tu mettais dans un jardin Eden. La Bible dit dans un jardin Eden, tu as la rivière qui appelle Havila. Havila. Et la rivière Avila, c'est dans l'eau là-dedans. L'eau pure, bon l'eau. Genèse 2, verset 11. Allez, vous avez la Bible du tout. Ah non, tu n'as pas besoin de Genèse là-dedans. Tu n'as pas besoin de Genèse. Là-dedans, tu as besoin juste après le Nouveau Testament. Merci Jésus. Merci Jésus. Qui nous dit là? Allez, ça qui est en français. Allez, dis pas, vas-y, dis-le, il faut. Le nom du premier étigeant, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. C'est tout ça? Je vais donner l'exemple, après l'exemple, comment Abraham tient du monde, sorry, Adam tient du monde, tout qui se s'apporte à lui. Tout diamant, tout l'eau qui est là, s'apporte à lui. Gloire à Dieu. Et moi, je prends 6 messages, vous allez prendre un message, vous écoutez. Un Adam, c'était pour te sortir d'endette, pour te réussir financièrement, tu as besoin de coups de pouce. Tu vas pas capable de te poser un gros trou, bon, ben, n'importe comment, bon Dieu, vous mettez les poils.
Trouve-là, c'est dette doit du monde. Vous êtes sorti des pieds là-dedans. Je t'explique ça. Sans sortir dans dette, comment on est sorti dans dette. Je t'explique ça. Semaine passée, ici même, nous montons sur la bénédiction d'Abraham. C'est intéressant, mais c'est intéressant. La bénédiction d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire, bénédiction d'Abraham? Et nous, les enfants d'Abraham. Et sa bénédiction est pour nous aussi. L'exemple simple qu'il m'a montré, c'est, à vie, quand tu restes un chemin qui s'appelle Ramia Road. Chemin n'est pas pour Ramia, ça. Chemin n'est pas pour gouvernement, pour public. Mais c'est moi, nous l'appelons Ramia Road. Bénédiction d'Abraham. Il n'est pas pour Abraham, ça. Il est pour toi, il est pour moi. Mais c'est moi, bon Dieu, l'appelle bénédiction d'Abraham. Il n'est pas pour lui, ça. Mais c'est moi, bon Dieu, qui m'a déjà fait donner une référence. OK? Le matin, on explique un joli qui chose, l'église, mon bébé, allez, écoute ça. Boaz, c'est un gémon super riche. Boaz, c'est un gémon super puissant et super riche. Mon prend l'état, explique beaucoup de bonnes affaires. Je suis tout ce qui peut travailler. Je suis tout ce qui peut travailler. Je suis tout ce, et qui gagne, c'est un pasteur. Tout ce qui peut déjà faire sens, ça, common sense. J'aimerais dire, d'après toi, la Bible qui cause nonsense. La Bible qui dit ça d'après toi, nonsense. La Bible, c'est common sense, même ça. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je vais mettre l'emphase sur une madame qui détient no one, détient inconnu, mais une vie d'une madame super influential, une madame vraiment bénie, et nous prêtons ça aujourd'hui. 2 Corinthiens 8, le verset 9. 2 Corinthiens 8, le verset 9, c'est nos versets de base. 2 Corinthiens 8 et le verset 9, c'est un verset de base qui nous peut regarder ensemble concernant réussite finance. Sachez-là pour les lire à haute voix pour moi. 2 Corinthiens 8 et verset 9. Or, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait tôt de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous soit enrichie. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus est une vie pauvre. Et il commençait par dire. Tu as besoin de connaître ça, hein? Sachez-le. Tu connais, tu as besoin de connaître les affaires pour toi, tu connais. Hein? Mais pose-moi la question, combien de chrétiens connaissent ça? Combien de chrétiens connaissent sa réalité là? Jésus ne vient pauvre pour qu'il ne vienne riche. Qui Jésus ne vient? Qui Jésus ne vient? Toi qui te besoin de venir là, plus pauvre? Est-ce que la Bible dit Jésus ne vient pauvre pour toi, tu pauvre? Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus ne vient pauvre pour toi, tu viens riche? Tout le monde se compte, ah oui, Jésus, tu peux, ok, Jésus prend toute pauvreté, quand il tire la terre, quand il tire la croix, ouais, mais ça ne l'aide pas. Tu écoutes la Bible, tu as besoin d'une riche. Il a besoin d'une vraie de nous, la vie. De tout, amen. Ok. De riche que Jésus était, il vient pauvre pour qu'il ne soit pas venu riche. Il a besoin clair dans nos têtes. Tu quand il tient un coup, Brian, s'il te plaît, c'est quoi? Merci, Seigneur. Peuple de Dieu, tu as une madame qui tient un caractère noble. Ruth 3, le verset 11, s'il vous plaît. Ruth 3, le verset 11. Ruth 3, le verset 11. Peux-tu vous demander qui ken? Frère, pasteur Vachon, s'il vous plaît. Assis côté de sa jeune fille là-bas. Elle est là. Je vais te montrer toute la Bible. Parce qu'il m'a pu dire juste dans l'Ancien Testament. Gloire à Dieu, merci Jésus. Ok, Ruth, nous pouvons lire beaucoup à partir du livre de Ruth. Nous pouvons lire beaucoup. Ok, nous pouvons lire beaucoup à partir du livre de Ruth. Gloire à Jésus. Ruth, chapitre 3, verset 11. Demande-toi l'attention, même si tu peux écouter live. Nous pouvons montrer comment Ruth, she was a nobody. Personne pas connu, personne pas connu son nom, pas connu côté sorti, qui sont là, son maman, son papa, qui classe une fer, disparaît bien invisible. Comme pas besoin de connaître papier mousseline, comme pas besoin de connaître papier tracé, papier bien fin, dit bien fin. Mais il vient hardcover. Il pas, tu dis, sorti comme un papier mousseline, il vient un livre de la Bible. Le livre de Ruth. Gloire à Dieu, merci Jésus. Allez, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que ça peut dire ça pour nous là? L'époque peut dire ça pour nous? Maintenant, ma fille, ne crains point. Je verrai pour toi tout ce que tu diras. Quand toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Tu es une femme vertueuse. En français, c'est la femme vertueuse. Même affaire, vous trouvez dans Proverbe chapitre 31, quand il cause la femme vertueuse. Et autres qui jeûnent. Une jeune fille, tout bonne fille qui l'a, tout bonne madame qui connaît lire, à lire Proverbe 31. Proverbe 31, c'est pour autres ça, la femme vertueuse. Comment je vous ai venu? Mais mon compte en anglais, il servait le mot a noble character. You are a woman of a noble character. Moi, je vous montre tout aujourd'hui comment il est important. C'est ça, et grammaire, si vous avez des affaires, vas-y, casse-nous pas. L'enseignement là, c'est pas tout galop de casse. Et grammaire, moi, je vous montre tout, tu as besoin de patience. Beaucoup de gens ont envie de vivre vite. Nous avons besoin de patience. Patience, c'est une grande affaire, ça. Abraham, dans l'époque, Abraham, pas une personne riche comme Abraham. Mais qui l'a, Abraham, tu es autant riche? Zénès, 30 ans, 28 ans, 25 ans, 15 ans? Non! Salomon, tu es un monde bien riche. Oui.
Il y a beaucoup de gens qui le problème, c'est quand nous vivons gourmand. Le problème, c'est quand rapide, là, c'est là, nous vivons posséder le Maurice net. Là, il n'est pas bon. Bon Dieu, dans sa façon progressive, ou content ou pas content, bon Dieu est dans sa façon progressive pour faire au vinris. Peine à sortir de là. La patience est une grande affaire. En fait, il y a un pasteur, ce garçon, qui travaille dans un grand secteur finance dans l'île Maurice. Grand secteur finance. Et là-dedans, le propriétaire, le number one, propriétaire, fondateur de sa grosse compagnie-là. Frère, il est capable d'avoir 100 bagatelles de Maurice. Et ce que témoigne dans le cas, sa six derniers chiffres-là, il n'est pas guetté. Vous m'allez concentrer dans six chiffres qu'il y en a pour les vendre bien, whatever, comme ici. Autant les riches, hein. Et Nadimon, autant riche de Maurice. Et là, il dit à Dimonens à faire, il dit poser une question, il dit à monsieur, qui vous a fait, qui nous fait comme ça pour vivre riche? Bougla vieux. Il y en a 72 ans, mais 75 ans en ce moment. Vieux. Lui, en cause, 28 ans. Comment vous avez fait pour venir bien riche? Comment où, au fait, on peut dire? Michel Angel a 16 affaires. Tu es en patience. Je trouve qu'on vit un multimillionnaire. Gagne la patience avant. Million là pour venir après. Par contre, gagne un million avant. Tu prends patience sinon. Non. Gagne patience. Acquire. Look for patience. Keep patience. Patience will lead you. Pour enrichir finance. Et je dis, ah, parce que je suis content de la vie. Vous mariez, vous êtes dans la case, vous êtes béni, vous faites des affaires, des affaires. Et je me suis content de venir comme ça. Attends, tu es dans 38 ans? Il prend 38 ans pour venir comme ça. Non? Il ne faudrait pas nous laisser nous embobiner. Il ne faudrait pas nous laisser l'impatience. Ah, le talent qui veut faire, moi aussi, moi, besoin de faire. Ah, le talent, il y en a, moi aussi, moi, besoin de faire. Chacun sur les couches différents. Guette ce qui est dans le plat, tout le monde, ce qui est dans le plat. Je te dis amen. Paris soleil, tu es un multimillionnaire. Mais il ne faudrait pas être impatient. Il y a une scheme par ici, une scheme par là-bas. Tu mets 30 000 roupies, tu peux gagner 60 000 roupies dans un mois. Et si tu gagnes un client, tu peux gagner une commission de 30 000. Comment est-ce que tu as une scheme qui tient à l'époque là? Aujourd'hui, dis-moi pourquoi tu as passé prier pour me gagner mon cas. Vraiment pourquoi demander mon cas. Dis-moi là, les compagnons de fermer, prier pour me gagner mon cas. C'est un gros lisier. Quand tu peux gagner un gros, comme commission, bien comme revenu. Quoi on appelle ça? Dans le plan là. Prime, quand tu peux gagner ton prime, tu n'as pas fait passer à connaître là. Tu n'es pas tiré à passer à connaître. D'accord, on n'a pas pépé. Toi, tu as déjà passé à intercéder. Toi, Dieu, moi, je vais te donner un exemple. Pas galoper. Je l'ai commencé à dire, il a dit à moi, pasteur, on a travaillé dans une place. Pasteur, je peux travailler là-bas, je ne peux pas casser tête, je peux tout le dossier. Je peux mettre moi-même pour monitor ça. Je dis non, tu connais après nous, ça. Tu sais ce qu'il fait? Tu peux apprendre avec l'expérience. Dis-moi là, à la base, aujourd'hui, dans une semaine, un mois, c'est les gars en promotion. Ils sont sortis depuis là-bas, il y en a deux pays, il y en a deux compagnies. T'as qui te fait là? Tu dois abandon. Donc, ça, la Bible dit, pas mettre confiance dans l'homme. Pas mettre confiance dans l'homme, mettre confiance dans Dieu. Mettre confiance dans Dieu, hein? Et bon, Père, dire. Bon, il est parti dans mon message, mon Père, dire. Ruth. Je connais Ruth, il est une femme noble. Et tellement il est une femme noble, il me montre cette noblesse que tu étais. Ruth 4, verset 15. Te vomier, te plus important, te n'a plus valeur que sept garçons. On peut dire où ça, sœur? Amen. Il n'est pas assis pour Ruth, ça. Il est pour où ça, verset là? Je ne sais pas dire noblesse? Le bouquet est là. Ruth, toute famille dans l'endroit, tout le monde dans l'endroit, cette femme là, il est ta femme. Ta. Sa belle-fille qui tu es dans là, il vaut mieux cette garçon pour toi, ça. Ça s'appelle ça noblesse. Moi, je suis émerveillé comme un trou, ça. Moi, prophétise, mais tout le monde sait mettre la main dans l'équerre. Même si vous pouvez mettre la main dans l'équerre. Moi, prophétise, bon Dieu pour download dans cette capacité, habilité, more than seven men, au nom de Jésus-Christ. Si là-bas, la Bible dit à moi, dit il vaut plus que 7. Comment il dit ça en français? Quand ta belle-fille qui t'a dit la rencontrer, elle dit vaut mieux pour toi que sa fils. Dans cette compagnie, pour arriver là, je la paye pour être égal 7 fois, ben monsieur sur la paye. I connect and I receive. Tu peux demander comment faire ça? Mais quand tu la payes, 350 000. Et le monsieur peut gagner 10, 35 divisé par 7, combien?
Non, 5 000. Et dans ma dîme, il y a 50 000 à payer. Mais quand bon Dieu fait tout la paix, 2350. Tout la paix, en tant que madame, est égal à 7 hommes sur la paix. Amen. Pas qu'il y a comme ça. Tiens, dans le journal, la dernière fois, quand un gros compagnon t'y fermé, t'y écroulé là, t'y display. Ben, dans ouais, non, ne pas dire parce que notre public là, ne pas dire nous politically correct, nous pas prononcer ce nom. Tu mets dit là, tu mets dit la paix dans le journal. Et non, ben, tu fais là, ben, propriétaire là, ce tu fais, tu peux gagner jusqu'à 950 000. Ça veut dire là, un mois, il peut gagner presque 1 million, sans compte ce transport là-dedans. Un mois, tu peux gagner 1 million, mais qui te fait que ça casse là? Et ne peut qu'il y ça, dans Maurice. Si ça n'arrive pas, tu ne pas contre Jésus. Si ça n'arrive pas du monde qui s'amène sur la guitare de l'église, si ça n'arrive pas du monde qui s'amène pour soin de l'église, tout quoi bon Dieu pas qu'à faire. Si Satan qui a fait ça pour une qui pas Satan. Si Satan qui a parlé pour un du monde qui pas connu le Seigneur, tout quoi bon Dieu peine recette. Comment faire ça pour ses enfants? Allô? Believe. Let it be done according to your faith. Il te soit fait selon ta foi. Je te dis amen. Chapitre 4, le verset 11. Me content, chapitre 4, le verset 11. Chapitre 4, le verset 11. Merci Seigneur. Merci Jésus. Là-bas, dans le chapitre 4, verset 11, il dit, ah, Ruth, pour comment dire, Rachel et Cléa. Ruth, pour comment dire, Rachel et Cléa, ils peuvent enfanter, ils peuvent bâtir la maison, ainsi de suite, ils peuvent faire des affaires. Comme tout ça, on me dit, waouh, voilà le potentiel qu'il y a une madame, et non, quand il travaille, il fait comment dire, travail des madames. Alors, pas dire, mon pasteur, madame, il demande trop beaucoup de travail pour faire. Parce que t'es une Ruth de travail. Parce que mon pasteur, je vais demander un dossier en plus pour guetter. T'es une Ruth. T'es une dans ta capacité pour occuper des madames Rachel et Cléa ce dossier. Je te dis amen. Je te dis à mon Ruth. Allez, ben, monsieur, si, il y a un droit de dire. Mon Ruth. Amen. Comme tu dis, Ruth, tiens, qui est honte. Personne ne partit contre lui. Les tiens, étranger. Les tiens, qui est sur la vie, d'assistance. Les tiens, qui ne fait que sortir dans la famine, dans la dépression. Je vous trouvais dans, Ruth, chapitre 1, verset 1 même, je vous trouve ça. C'est un grand, la famine. Les sorties, ils connaissent que ça veut dire la famine. Et pas c'est ça. Ils vivent avec son mari, c'est 10 ans. C'est, ils vivent avec son mari, c'est 10 ans. Ils pensent qu'il n'y a aucun enfant, Marie-Lane Moore. Ils vivent une veuve. Ils vivent une veuve. Ils ont un mariage pendant 10 ans, qu'on m'a dit aucun avancement pour le faire. Est-ce que vous pouvez écouter moi aujourd'hui aussi, qu'on m'a dit pareil? Ou bien, parce que moi aussi, il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans, mon marié, comme on rigole un coup, ouais, quel avancement pour le faire, finance? Moi aussi, moi, qu'on m'a dit rude. Il dit pas par hasard, bon Dieu, peut-être écoute ça, mais sans aujourd'hui. 10 ans, sur la vie, il reste presque plus ou moins pareil. Chapitre 2, verset 11, l'une quitte maman, papa, pays, ce ban Dieu, ce ban idole, l'une quitte tout. Tout l'une quitte. Puis, non, personne à côté, il dit là. Tu connais ça veut dire manquement? Tu connais ça veut dire manquement? Manquement, pas avec Jésus, peine à manger, peine à l'aise. Quand tu peines à maman, papa, quand tu peines un pays pour toi. Tu connais ça veut dire manquement? Mais pas de manquement, là, Maurice. Pour moi, Ruth, c'est un super manquement. Les peines de maman, papa. Les peines de pays. Dieu sait qu'il quitte tout là-bas. Il vient dans Bethléem, il vient dans Israël. Il n'y a pas même un passeport, il n'y a pas même un visa, il n'y a pas même un ID. Il vient rentrer. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment ça, madame, a sorti, comment elle n'a rien dit tout. Je vais vous montrer comment ça, madame, a sorti, comment elle personne pas connu. Je vais vous montrer comment il tient une femme noble caractère. Comment il tient foncé dans la vie. Je vais vous montrer comment la grâce de Dieu tient sur la vie. Nous voulons tout ça là. Et moi, je vais vous dire aujourd'hui, ça met sans aujourd'hui là. Il ne peut pas se passer là. Ça met sans aujourd'hui pour tout le monde qui est là. Si je peux dire aujourd'hui, moi aussi, je tiens no one. 20 ans de cela, quand je tire tout de Maurice après l'Aisne, je ne suis même pas particulièrement dans mon cas. Je ne suis pas particulièrement dans l'Internet. Je ne suis même pas connu pour l'Internet. Quand je suis dans l'école des enfants, moi, je tiens à dire, mais c'est que les enfants qui connaissent moi. Quand tu es santé dans le courant, je ne suis même pas devant, pas devant. Je ne suis pas de rien. Brian, allez un coup en bas, ça me chute là, je ne peux pas l'église. Tu as fait un peu vite. Ça me chute là, je ne peux pas retenir l'église. Je te dis, je peux là-haut. Voilà. Gloire à Dieu, merci Jésus. Je connais, en passant, mon Jésus, je ne peux pas te dire, tu ne peux pas te dire, tu ne peux pas te dire, tu es un prophète, toi, avec la barbe. Pourquoi d'un prophète? Nous pouvons rouler l'enseigne, nous pouvons faire l'enseigne tout autant. Nous pouvons faire jolie l'enseigne, nous pouvons mettre, nous pouvons mettre là, nous pouvons faire jolie l'enseigne, nous pouvons mettre là. Ok. Gloire à Dieu, merci Jésus. Je te dis amen. Parce qu'il n'y a pas de gloire en gloire.
C'est dans l'ancien, tout bas les autres affaires, la guerre, dans l'ancien de là. Chapitre 1, verset 18. Nous commençons. À nous commencer avec la vie de Ruth. Bon, tout ça, ça suffit là, comment partir dans l'ornier, jusqu'à aller partir dans manger. Et tu peux manger restant. C'est qui dit, moi, quitter le carreau. Voilà une madame, comment il mange, manger restant. Une madame qui mange, manger resté. Et comment je me montre toujours comment bon Dieu fait divine, c'est qu'il est venu. Dans Ruth chapitre 1, le verset 18, la Bible dit à moi, il y a une point de décision. Ce belle-mère trouvait, quand j'ai oublié le verset là, il dit, tu vas aller pour moi, tu fais bien faux? Oui, tu es à l'école, il y a les. Faux, bien faux. Non, il y a dit dans où version frère dit pas Naomi, la royaume décidé à aller avec elle, c'est ça son instance. Oh, il n'est pas dit résolu. Sans de la Bible française, il dit résolu. Ok. Il dit Naomi, ça veut dire belle-mère là, quand il trouve belle-fille là, résolue, une décidée, déterminée pour coller avec madame là, pour rester avec belle-mère là même. Et là, Bémela dit, ok, mon papa, pousse-toi, il reste. Ok, point qui m'opère déjà ici, nous avons besoin d'un quelqu'un qui est résolu. Le deuxième, nous avons besoin d'un quelqu'un qui est résolu. Père de Dieu, c'est Ruth, pas tu prends une décision résolue, une résolution. Et tu pourrais sans maman et tu pourrais sans papa. D'ailleurs, si tu pourrais retourner dans Israël, sans maman, sans papa, quand tu pourrais m'opérer, pas tu pourrais pas tu pourrais quand même causer, un quelqu'un qui s'appelle Ruth, il était une fois. Un des bains de la clé pour réussir financièrement, ou besoin d'une décision ferme pour réussir. Ou besoin résolu. Mon décidé pour sortir depuis dans l'aune. Mon décidé pour arrêter de prendre crédit. Mon décidé s'il fallait, mon vivre avec sa tigite qui m'est là, mais mon papa prend prêter, moi. Mon décidé, résolu. Moi, il y a une tigite là, pour planter, mon papa tant qu'il bondit agir. Fais non rien. Si mon sang roupie, mon besoin de donner par l'offrande, même si la case, mon besoin de manger, mon apolo, mon pour faire lui, mon résolu. Pena non, y'a pour venir chez moi là-dedans, là, pena non, y'a. Mille là-bas pour venir chez toi, mon pécard dans ta case. Non, mon résolu, mon pas pour prendre l'aune. Je te dis amen. Comme tu n'as pas pour mourir, dis-moi, tu dis, vini, plusieurs la banque, quelqu'un qui me connaît, travaille dans la banque, tu dis, vini, pasteur, me donner un loan, vini, me donner un loan. Moi, tu es résolu. Oh, moran, mais si tu me demandes une facilité, loan, mais non. Moi, tu prends une décision. Moi, avec pasteur Vincent, je peux encore habiter dans la maison que mon papa ne rangeait, mais mon résolu, moi. Mon papa, il reste à nouveau la case, qui me prend un gros loan, après la tête peut faire mal, mon parler, bon Dieu, de ma capacité, mon patin dans l'équipe, je vais me rentrer carré là-bas sans loan. Il y en a des choses, je vais prendre, hein? En ce moment-là, par exemple, tu as un terrain à la portée, d'un portée, pourquoi 54 PS, un autre place, 54 PS, 2 millions. 54 PS, 2 millions, frère, vous avez dit ça? Beaucoup de ça. Tu as un autre 50 PS, un peu plus en dents, 1,3 millions. 1,3 millions? C'est pas plus comprendre terrain, un bon deal, ça. Hein? Un extra bon deal, ça, frère. Tu gardes, même si agricole, c'est là, pour les temps, tu fais les vignes. Frère, mais combien de personnes connaissent moi et que mon madame ne peut pas rester dans le terrain, ne peut rester dans la case. Combien de personnes ne peut pas rester dans la terre, nous, ne peut dans la case ou rester. Alors, une demande ça fait, je vous ai connu. Et par exemple, moi, je peux dire un jeune, un peu longtemps, moi, je peux dire un jeune. J'ai un adjoint pasteur, il me fait comment je travaille. Je me disais, le tout, là, moi, je me le tout. Et encore, jeune, hein, il fait comment je compte un petit fils, tu vois là. Je dis, frère, moi, je vais faire un jour quand tu es marié. Tu veux écouter moi, toi là? Quand tu es marié, là, que tu fais pas pour rester dans le tout, hein. C'est là que tu vas me dire reste dans la case. C'est pour ça qu'on prend une décision. Reste dans l'auto qui te les rester, ben te les reste dans la case. C'est pour ça qu'on prend sa bonne décision là. Je veux que vous m'envoyez là. Gloire à Dieu, merci Jésus. Ok. Peuple de Dieu, mon prédier, nous devons prendre une décision. Quand tu fais que finis fait ceci, moi tu peux au Canada, moi tu peux tout dans l'université pour aller. Moi j'ai une décision pour prendre. Mon maman dit moi, Alain, à juin. Parce que ton frère, pour venir, nous besoin de marier. On prend une décision. Ok, non, l'aine. Quand on finit de faire premier degré, on a envie de faire master. Ma maman dit, on n'a pas pour payer ton master. Parce que Romy, pour marier. On finit de faire toi. Après, on finit de travail. Après, tu vas faire ton master. On a besoin de marier à ces enfants dans la case. On prend une décision. Ok. Tu as besoin de connaître quand pour investir, quand pour investir, quand pour retenir. Enfin, monsieur, j'ai besoin qu'on prenne une décision. Adriel. C'est prendre une décision ferme. Oubliez ta habilité, oubliez ton contact, oubliez tout ce qui est là. Si toi, tu te l'équipe, tu prends une décision ferme. D'ici, quelle année nous était? 2023.
Dans 10 ans, à partir d'aujourd'hui, tu prends 1 million de ton compte. C'est une décision ferme qu'ils ont besoin. Non? Peu importe qui nous veut, je ne veux pas pour bouger, mais je crois là-dedans. Je crois là-dedans. Je te dis amen. Merci Seigneur. Et ils ont ça, c'est décision ferme. Décision ferme qu'ils prend. Même si ils ont quitté papa, ils ont papa, ils ont quitté papa, hein? On peut dire qu'il maman, papa, pas ça, on peut dire. On peut monter jusqu'à quel point on veut dire une décision ferme. En passant, faire que je te risque que ton maman, ton papa, ton madame peut avoir un problème avec ton maman, ton papa. Moi-même, je peux dire ton frère, elle reste séparée. Moi-même, je peux dire toi, là, quitte ton maman, ton papa, elle reste un peu séparée, tu vis un peu dans la paix, tranquille. La paix, parfois, il est important. Ok, décision ferme. Verset 6, chapitre 1, verset 6. Chapitre 1 et le verset 6. Et ça, il y a une parole prophétique, je tout prends lui pour eux. Dans sa période qui ne peut vivre, avec budget, avec tout le monde, ça fait qu'il monte. Dans le chapitre 1, le verset 6, vous trouvez l'individu pour dire, « Ah, bon Dieu, il visite ce peuple. Bon Dieu, il vient d'un coup de main ce peuple. Il aide ce peuple. » Après, pourquoi il finit phrase là? Il donne autre qui ça fait. Hein? Tout le monde, ça fait, peut monter là. Mais qui bon Dieu, il dit là? Il peut donner du pain. Moi, je me sens que ça, tu es là, nous prier. Même budget, même ça fait, peut monter. Rappelle ça, et bloque ça verset là pour eux. Garde-le pour eux ça verset là. Quand je priais, je faisais qu'on servit ça verset là. Qu'on dit, Seigneur, ta parole, il dit, dans le verset 1, tu as en gros la famine. Qui tient là? La famine, mon camarade. D'un gros la famine, même ça, bon Dieu, visite ce peuple, et quand bon Dieu, visite, il donne 10 pains. Parce que moi, maman, je dis, ben, toi, les farata, rôti, ça, si bon Dieu, quand on doit. Oui, mon frère, mon Seigneur. Dieu qui nous servit quand il visite, il va visiter la main vite. Comment? Tu nous as visité un dimanche d'hôpital, tu nous as visité un dimanche d'hôpital, la main balance, balancée, on va aller. On va amener un peu de fruits, parfois un peu de gozade, un peu de monis. Mais si nous, nous connaissons quand on a visité un dimanche, nous parlons la main vite. Bon Dieu, tu crois, il m'a élevé. Quand bon Dieu visite, tu l'avais dit pour venir avec jolie quitteuse. Je te dis amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Alors, peu importe qui peut monter dans le bazar, peu importe qui peut monter là-bas. Si, chaque fois dans la Bible, quand je dis, tu es la famine. Je vous rappelle, la famine, tout en fait, tu montais là-bas, si, dans sa époque-là, si. Mais bon Dieu, tu pouvoir, dis pain. Nous regardons le verset 6, dis pas, vas-y, Lili. Puis elle se leva, elle et cette belle fille, afin de quitter le pays de Moab. Il l'avait pour quitter, mon frère Moïse. Il l'avait pour quitter. Mon content, on est de prepare themselves to live. Et arrive là, je le prépare, je peux sortir dans l'aune. Moi, je dis, prépare, je peux sortir dans le manquement. Préparez, préparez, préparez. Et rappelez-vous, c'est journée qu'ils ont pour prendre là. Depuis qu'ils ont sorti Moab, merci. Jusqu'à qu'ils ont rentré dans Israël, c'est journée. À cause de qui me disent d'aller là? Prospérité qui bondit de toi. Il va pouvoir laisser, faut gagner 1 million que toi. Il va pouvoir venir pour les t'en parler. Quand on gagne ça. Comment dire, qui gagne fouiller, côté, il va aller trouver l'essence, puis jaillir à côté. Et sans ça, ça même pour venir pour toi. Gouvernement pour venir pour acquérir, allez. Pour l'État, peut-être un pourcentage, si pas acquérir. Les gens, ça même venu pour toi, c'est moi, il venu pour le gouvernement. Ok. Peuple de Dieu, rappelez-vous, il doit se journey. Et Ruth, chaque fois que Ruth peut guider par devant, chaque fois que Ruth peut faire un pas par devant, il va plus loin avec ce Moab. Il va plus loin avec sa pays que l'on était avant, dans la famille de manquement là, la que l'on était avant. Il parle devant. Mais un chrétien, il ne faudrait pas faire comme on va dire, l'autre sur madame. L'autre là, sur madame. Je connais l'autre là, sur madame. Je sais pas qu'on l'autre sur madame. Qu'est-ce qu'il fait? L'autre, c'est madame qui peut aller. Il peut aller ici dans une journée. Après, il fallait qu'il y ait un coup d'œil seulement. Il risque d'œil même là. Il y a tout petit colis. Gagne, passe des bouillés, tout petit colis, papa. Peuple de Dieu, arrête de d'œil. Tout le monde, frère, aussi. J'allais arrête de d'œil. J'allais, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, Seigneur. Et rappelez-vous que sa destination qui bondit, on revient à mes autres là, et dans l'abondance là-bas. Moi, tu poses un message, regarde ce message là, ces autres-là. Giants of faith. Le peuple de Dieu, jamais tu dormis au lili. Depuis que le peuple de Dieu, tu sortis depuis dans l'Égypte. Dans l'Égypte, je passe dans le lili, frère. Je suis esclave. De ça, l'époque là, esclave pas dormi au lili. A quel moment film esclave, je vous trouvais l'époque longtemps. Esclave dormi au lili? Esclave pas dormi au lili. Dormi en bas. Par terre. D'un nat, d'un takia, d'un. Not. Le peuple de Dieu sorti depuis dans l'Égypte, marché dans le désert. Pourquoi je suis dans le lit? Gros lit, king size, queen size. Non. Là, si je peux vivre, je peux dormir au nat. Je peux rester en attente. Ramasse l'attente, bouger. Quand bon Dieu t'arrête, je t'arrête. Je te remets, je t'attends, je te rester là. Quand bon Dieu t'arrête, bouger, je te bouger. Je te bouger. Comme ça, c'est quand je t'arrive dans Israël. Dans Israël, la terre promise, Canaan. Je connais quand le peuple de Dieu est dormi au lit? Moi, je t'explique ça dans Giants of Faith. Quand Banane rentre dans la terre promise, c'est un roi qui s'appelle Og, qui
qui dans dans Canaan. Ce lili, moi quoi tu neuf coudé par neuf coudé. Mais des fois ça l'assemble là. Un lili ça grandit là, c'est ça? Allô? Un lili ça grandit là. Moi il faut que maman habite dans la badinaz. Anda bacha ça sur beaucoup tu gardes là dedans. Mais mida, ça qui fait lili vous êtes. Alex, ça qu'a jamais qui fait lili là tu es tant grand. Parce qu'il va dans tes éans. Je suis un géant, je suis président de sa pays, la terre promise. Ben, un géant pour mettre un petit soulier, tu t'en pousses. Un géant sur soulier, comment peut-être. C'est, ça va un géant là. Quand je n'ai pas pour boire alim, nous ne pas pour un petit couillet, nous boire alim. Ben, là, quand je bois alim, je bois alim de sa couillet qui nous tient alim même. Pour eux, c'est des choses normales. Ça fait qu'on pense que moi, je peux dire. Mais quand le peuple de Dieu n'a même pas de sa pays l'abondance, sa qualité là, je n'expérimentais. Quand je passe par la peau, par la toilette. Quand je passe par la peau, par la toilette. La peau là, grand, immense, comme ça. Et si tu peux passer, waouh. C'est ça qui grandit. Juste pour montrer que bon Dieu, tiens-nous depuis dans le monde sans Jésus. Et bon Dieu, amène-nous dans la vie, l'abondance. Il y a des grandes choses. Je te dis amen. Nous continuons. Le verset 8. Et là, je vais avertir Benjamin. Le verset 8, il y a un avertissement maintenant. Maintenant, j'ai dit, retourne dans la case de maman. Allez, le verset 8, tu peux trouver. Retourne dans la case de maman. Il y a un tout problème ici. Retourne dans la case de maman. Ce depuis là, allez. Allez, dans la case de maman. Allez, depuis là. Parfois, ma mère, il y a la gang sur madame. Tu ne peux pas faire vivre ici. Allez, à côté de maman, allez, tu ne peux pas y aller. Après, il y a une allée comme un titulaire. Viens, tu as vu la case, tu as vu la case, tu as vu la case. Ma sœur, elle a la veine remplie, elle a fini de payer ta qu'il a voulu tourner. Le verset 8, il dit, il dit, sa phrase, de ses oreilles, retourne dans la case, ton maman. Est-ce qu'il retourne dans la case, ton maman? Non, mon frère, mon sœur. Bon, si tu sauves la case, tu retournes dans la case, ton maman. Là, mon petit, c'est pas encore marié, hein. Dans les enfants, vous allez dans la case de maman. Là, mon petit, cause, ceux qui sont mariés, de qui la case, vous êtes resté? Je marie, je monsieur. Mais, bonne pensée pour venir. C'est ou qui marie, jamais une pensée pour la case ou maman. Personne m'a besoin de monter. La pasteur va chercher, jamais une pensée qui te passe la juine, ça me dit, jamais dit. Voilà, Dieu, merci Jésus. Les bonnes rien un peu. Ouais, ne besoin de faire sa pensée là. Moi, je marie avec mon monsieur. Nous te dis, devant les anges, devant Dieu. Devant pasteur, nous te disons, nous pouvons causer avec là. Il y a une poumoye là, une coupe poumoye là derrière là-bas. Là. Il y a une coupe poumoye là, je te dis. Là-bas là. Peut causer là. Parole là, peut finir vite, peut toujours là. Prends parole là, gardez. Il n'y a pas de qui arriver, mon poutini. Si c'est là pour quitter, mon maman, tu faisais premier du monde qui t'a casé aller. Quand mon papa souffre, quand mon papa vient faire des autres, quand mon papa prend à manger, à voir le lit, quand mon papa prend carré, à voir le mirail, ça suit le mirail, tiens ma sala. Quand mon papa discute devant qu'on a côté de famille. Si arrivé, mon papa finit bon, il y a un peu de choses, vous vivez à la table. Si tu es là pour quitter, c'est mon maman qui t'a besoin de quitter. Je peux gagner autant de problèmes, je. Mais qui je peux quitter? Mon papa, c'est laboureur. Mon maman, tu misses. Allons dire au niveau de la société. Hein? Mon maman, tu misses. Tout le monde que mon maman miss. Quand on a appelé Miss Ramia. Ce sont des élèves qui viennent à la police aujourd'hui, avocat, docteur, ben là, quand on lit, Miss Ramia, bonjour, ça va, moi, donne un livre. Ben là, appelé Miss. Mais ce monsieur tient la bourrée. Alors, si c'est là pour quitter, mon maman, tu me disais pas, mais du monde pour quitter. Moi, je comprends, du monde à l'église aujourd'hui, dans Jésus, connaît que ça veut dire le pardon, connaît que ça veut dire puissance à prière, et puis quitter. À cause d'un petit, allez, faire, moi, dire, venez là-bas, l'autre, allez, faire, moi, dire, venez, toi, faire, moi, dire, venez, avine, j'ai des affaires dans le collège, c'est pas quitter. Mais à cause ça, moi, quitter? Non. Le deux amen. On n'a pas comme vous pouvez multimillionnaire. Vous quittez mon mari, vous quittez mon enfant. Vous pouvez multimillionnaire seulement. Mais qui c'est qui te peut multimillionnaire alors? Qui c'est qui te peut réussir dans sa journée finance? À quoi ça, je deviens Jésus comment vous dire ça? Qui c'est qui te gagne tout le monde pour toi? Tu ne perds pas ton âme. Tu ne perds pas toi-même. À quoi ça sert? Ça c'est mes sens qui me permettent de finance là. C'est pas juste pour faire une gros lisier, une gagne faim, gagne soif, l'argent, réussir finance. C'est aussi pour mettre une base, de nous bannes encadrement, réussir, finance, oui, mais dans bonnes conditions, suivre bonnes consignes, bien comme monsieur doit. Je te dis amen. Le verset 8. Merci Seigneur, merci Jésus. Je te dis bon Dieu avec moi. Bon Dieu avec moi. En passant,
une veuve là. Quand l'ange dit qu'il retourne dans la case de maman. Retourne dans la case de maman. Les veuves là. C'est-à-dire, ça comment dire, donne-lui raison pour retourner dans la case de maman, parce qu'il te veuve là. Mais lui non. Mon mari est civil avec ça, Michel là. Sans la casa, il pour mon mari, il pour mon mari. Moi, je peux causer avec toi, là. Peut-être Benjamin ici, pas trop concerné, mais les paroles là, il prend Benjamin là, lui. Il prend Benjamin là, lui. Ton mari est civil avec Benjamin là. Tes enfants ont besoin de place pour grandir. Moi, dans la case de maman, non. Sans la casa, mon mari ne rendait mon bruit là, moi. Vous entendez ce que je peux dire? Quand Belsa peut déjà quitter, ce n'est pas Belsa qui demande l'autre. Je vais vous dire, mais encourage-moi quand je peux dire la vérité. Encourage-moi quand je peux dire la vérité. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ok. Chapitaine, verset 8. Gloire à Dieu, merci Jésus. Chapitaine et le verset 8. Y a-t-il mon frère? Chapitaine, verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune dans la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Moi, j'ai une révélation qui est bon, j'ai dit, moi, là. Et ça, frère, Naomi, belle-mère, les mêmes les veuves, les mêmes les peines à mari, là. Dans condition qu'il y était, dans condition veuve qu'il y était, qu'est-ce qu'il devait faire? Il dit à un autre, veuve, allez, bon Dieu avec toi, prends courage. Réalis, frère. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Mon écrit dans mon phrase, this is unheard of. Ça, c'est en même temps, les gens. Une veuve peut encourager une autre veuve. C'est sa qualité du moulin, nous bienvenue dans la vie. Peu importe qui arrive, nous, nous sommes encourageants pour les autres. Parce que je suis maman, papa, venez une bénédiction pour ceux qui sont maman, papa. Parce que je suis dans telles affaires, venez une bénédiction pour ceux qui sont dans telles affaires. Naomi, payant Marie, les veuves, les viennent une bénédiction, les prophétisent une bénédiction, les encouragent les autres, madame. Les autres qui prennent pension, quand je suis allé mettre la quai, vous prenez pension, si je peux mettre la quai, je ne sais pas quand je suis allé les autres qui prennent les autres l'as. Quel âge est-ce? Quand je suis allé mettre l'as, encourage eux. Encourage les autres bénis, dis les autres bonnes choses, prophétise les autres la vie. Le dis amen. Tu es sorti Rodrigue. N'importe quand tu as besoin de Rodrigue ou bien Rodriguez dans Maurice, tu as besoin de faire. Viens une source d'inspiration. Bénis eux. Le dis amen. Chapitre 2, verset 19. Vas-y, mon frère. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Mon petit, tu as une affaire aujourd'hui, et tout le monde belle-mère qu'il a là. Je la prends sa parole là. Hein? Tout le monde belle-mère qu'il a là. Tout belle-mère qu'il a. Même si je suis une belle-mère, moi, beau-père. Faites ça encore là. Hein? Et tout cela, il faut une partie de chemin pour une risque. Hein? Et noble caractère. A noble character. Une belle-mère. Une belle-mère. Une belle-fille. Belle-fille là travaille côté du monde, dans une compagnie. Belle-mère là dit, mon béni te compagnie. Ça même temps déjà. Nous vous avez une sa qualité belle-mère là. Regarde ça verset là qui dit, verset 19. May the Lord bless your company. May the Lord bless the men que tu peux travailler. Qui bon Dieu bénit ton supervisor. Moi, mon appelé en créole. Qui bon Dieu bénit ton compagnon. Mon femme aussi, sa qualité belle-mère là, nous vous a venu. On peut dire, moi, sa qualité belle-mère là, nous vous a venu. Sa qualité beau-père là, nous vous a venu. Si vous avez dit, quand vous remplissez la bénédiction, quand vous prononcez bénédiction, dans la vie où belle-sœur, sorry, dans la vie où belle-fille, ou bien au gendre, sa bénédiction qu'il peut prononcer là, mais quand Zana prend un bon travail, quand Belfila prend un bon travail, tu même tu la tête pour dans la paix, tu même tu vas besoin de ton pension d'un jour. Tu même tu vas besoin de servir ton pension parce que c'est un peu de riz, un peu de riz, un peu de la farine pour d'un jour. Je vous casse pour la farine, je te dis amen. Mais mon point ici, c'est écoute bien, et noble caractère, le message aujourd'hui. Viens quelqu'un qui compte béni, allez, je te marie, je te déblie, béliez belle-mère, beau-père, je te marie.
te supposer bénir ce compagnon. Et non pas maudit, et non pas dire aucune parole négative. Toi, te supposer bénir ce compagnon. Qui fait une cause comme ça, c'est comme vous priez, moi pas prier juste pour moi. Parce que chaque comme vous priez, moi prier pour compagnon qui travaille tout le monde. On bénit ce compagnon, on bénit de temps en temps, on est tellement manager qui se nom, se supervisor, se timide. De temps en temps, comme on prie, on bénit, je demande la prière, moi. No wonder, il peut gagner promotion, no wonder, il gagne faveur, no wonder, il commence à exceller, il y a les. Quand tu pries pour ton conjoint, ce compagnon, tu peux mettre dans l'ascenseur, il y a les vivi, vivi, là où il est là. Vous comprenez ce que je peux dire? Ok, ok. Il y en a qui réfléchit, puis dit, ouais, t'as jamais moins de prier pour mon madame ce travail, tu connais? Réfléchis, frère, réfléchis, réfléchis. À quoi ça donne venir là? Chapitre 1, verset 12. Chapitre 1, verset 12. Chandalaba de Kedibi de Kotorobo, Sandalaba Baba. Ça, c'est là comme on demande qu'il a dit non, allons dire Ninjama, il a 70 ans. Il peut non, mais on donne un exemple là. Il a 70 ans. Et so, peut-être qu'il peut dire pareil, comment ça fera à Zandia, ça verset là? Ça verset là qu'il dit, vas-y, frère d'époque. Retournez, mes filles, allez, je suis trop bien pour me démarrer. Arrête la même. Ça, c'est là qu'il peut dire à nous là? Il est honteux, tu. Mais trop vieux pour gagner l'autre monsieur. Mais trop vieux pour remarier là. Je qui tout de suite dit pas comment mon lien sa verset là. Je connais qui bon Dieu n'a jamais dit. Et n'a dit mon capable de dire. Mais trop vieux pour remarier pour un monsieur. Écoute bien qui m'a dit. On n'a pas trop vieux pour un seigneur. Pour un sauveur. Pas de dire, ça là, ce qui m'a dit là. Je suis là, je suis là, depuis petit, je fais ça, tout ça, je service là. Je suis là, je suis là, je suis là. Tu n'es pas trop vieux. Pour un Jésus pour sauver toi. No, you are never too old. Tu n'es pas trop vieux pour qu'il te découvre Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton ami, un quelqu'un qui te fait confiance. Et mon écrit dans mon note, do not let calendar fool you. Écris ça de ton cahier. Do not let calendar ou bien age fool ou bien deceive you. Combien de jours tu as été sur ton guide de venir? 3 jours, 2 jours, tu connais un peu impossible avec bon Dieu. Semaine prochaine, bon Dieu, quand tu es dans l'avion. Je devais te douter. Il nous arrive, moi, ça. Mon ami vient mourir samedi. Lundi, mourir pour l'avion, moi, aller. Mon maman dit, tu passes qu'à rester de côté même? Mon maman dit, tu passes qu'à rester de côté même? Fais-toi un bizarre venir à l'eau. Comme, parfois, quand vous prononcez une parole prophétique dans la vie, ce n'est pas juste que vous aurez senti bon pour écouter. Parce que dans mes affaires, bon Dieu, tu dis à moi, l'infini fier dans mon avis. Et comme on peut déclarer ça dans la vie, parce qu'il me trouve bien arrivé dans mon avis. Et bon Dieu, la Bible dit, he is no respecter of person. Ce qu'il fait pour un du monde, il peut faire pour les autres. Je te dis amen. Alors, personne qui l'a, je ne pas trop vieux pour un Seigneur, un sauveur dans eux. Gloire à Dieu, merci Jésus. Nous guettons Ruth, chapitre 1, verset 15. Vas-y. Bon, pour montrer aux autres maintenant, ce qui n'arrive les autres, pas pour arriver aux autres mauvais. Ce qui n'arrive les autres mauvais n'a pas pour arriver toi. Lire, je peux expliquer là. Ruth chapitre 1, verset 15. Je peux mettre base, hein, c'est qu'il ne peut pas arriver, ça va essayer de vous montrer comment Ruth pouvait être super riche là. Allez, vas-y. Ruth 1, verset 15. Vas-y. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Retourne comme ta belle-sœur? Qu'est-ce que je peux dire de toi? Mais tu t'es habillé comme un tubercère? Mais ça arrive une église? Qu'est-ce que je veux dire là? Attends, ça c'est avec de l'huile rédite dans la tête, tressée, délaquée? Pour une église? Qu'est-ce que je veux dire là? Mais t'es une poulie, pareil comme un tubercère? Pareil comme un grand belcère là, mais on a déjà fait pareil? Ce genre-là qui veut dire? On va pas pareil comme un belcère moi. Le verset 15, ben là, peut dire, il fait pareil comme un belcère. Qu'est-ce que tu belcère? Il y a un peu idole, il y a un fait tes affaires. Mais enfin, c'est une destination de différents liens. Moi, les causes différentes avec les. Je ne peux pas copier aucun des autres pasteurs. Parce qu'il y a un autre assignment pour faire. Autres, les causes pour galoper. Moi, maintenant, moi, les causes pour galoper. Je ne peux pas en compétition avec personne. Je ne peux pas en partie pressée pour un bâtiment. Je ne peux pas en pressée pour mettre live. Après, les temps qu'ils nous mettent live. Je ne peux pas en pressée. Nous mettons la télévision, nous copie-paste. Bon Dieu, pas d'appellement pour copie-paste mon table blanche ici. Chaque l'église est différent. Chaque peuple est différent. Amen. L'église Montalbain, je ne suis pas venu comme ça au jour du jour. Il prend nous 15 ans, 18 ans pour nous enseigner. Je ne suis pas capable de fausse bonnes affaires. Non, mon frère, monsieur. Alors, je vous ai compris ça que l'église, ça que le ministère, il a dit, pasteur, qui fait ou cause un peu souvent nos finances? Les peuples avec qui je travaille, ils ont finances. Ou peut-être, au péché de moi, c'est là. Dis-moi avec qui toi tu peux travailler. Dis-moi avec qui ou peux travailler comme un pasteur. Qui fait souvent peu cause, pas vivre de péché, pas vivre de péché, pas vivre de l'orgueil. Parce qu'il va dire, on avec qui, on peut travailler orgueilleux, je peux vivre de péché.
Ben, je me coule, moi, je peux travailler. Je ne peux pas vivre dans l'immoralité, dans l'impiété. Je peux en 10-15, madame. Je déjà peux vivre dans l'humilité. Vive mon table blanche. On nous a vu mon table blanche. Tu nous as vu l'église mon table blanche. Tu as déjà trouvé un dimon orgueilleux. Montre-moi qui est de l'église mon table blanche orgueilleux. Je déjà peux vivre dans l'humilité. Je ne pas dire, je ne peux pas porter un message vivre dans l'humilité. Ça peut comprendre mon langage. Le peuple de Dieu peut déjà vivre, je suis déjà content sur le bon Dieu. Ah, parce que je n'ai pas pris ce message content sur le bon Dieu. Le peuple est déjà content sur le bon Dieu. Oui, ou vraiment quoi, pour un dimanche pas content sur le bon Dieu, 8h grand matin, il finit une église montagne blanche, sorti la case, 6h30 ou bien 7h, il finit une église 8h, on ne peut pas ça content sur le bon Dieu. Il faut être content sur le bon Dieu pour faire ça. Mais le peuple avec qui on peut travailler, un des bonnes affaires qui, le bon Dieu n'a pas pour faire, un power the people to succeed financially. Mais c'est ce que on peut faire. Ça que l'église est dans ce monde, ça que pasteur connaît qui se peut bien. On n'a pas bien critiquer quand pasteur a une cause prospérité. Qui fait mon pécoche? Parce qu'il peut pas avec qui mon travail. Je te dis amen. Peut-être, où peut vivre dans la ville, au peuple, des années multimillionnaires, des années t'as l'auto, des années t'as la case, je peux comprendre ce que vous dire là. Allô? Amen. Et là, moi, déjà répondu ça, dis-moi, là, moi, t'inquiète ça. Fait que moi, tu te trouves, moi, mon peu prêcher aux prospérités, tu peux besoin de messages, arcane de Dieu, t'as pasteur, puis prêcher. Alors, écoute, ben, je pasteur là. T'as bien, il te bien un message qui te besoin. J'ai déjà compris comment la pasteur. Comment mon père a un dimon qui peut admettre dans ICU? Mon père a un dimon qui n'est pas une maladie compliquée, c'est pas quoi? Parce que mon enfant enceint reste en bonne santé. Vu que mon enceint reste en bonne santé, je ne suis pas malade, je ne peux pas prier pour être guéri de la paix, je peux rester en bonne santé. Et là, mon assignment, c'est faire prospérer finances. Mais je peux comprendre comment je peux dire? Ok, gloire à Dieu, merci Jésus. Nous continuons. Chapitre 1, oui, on peut dire chacun sur les couches différents. Quand Dieu t'a fait comment te baisser, fait comment te beaufrer, fait comment être. Mais pourquoi faire? L'île n'a envie à côté de Dieu, l'île n'a envie à faire tel service, l'île n'a envie tous les lundis, gars, carême pour ça, les autres affaires. Moi, dans Michon, je ne vais pas garder carême lundi. Moi, dans Michon, je ne vais pas garder carême lundi, moi. Je te dis amen. Chapitre 1, verset 12, chapitre 1, verset 21. Vas-y, mon frère, chapitre 1, verset 21. J'étais dans l'abondance, en mon corps, et attends, sur la main, comment c'était? Vide. Ok, ça veut dire Ruth, sorry, Naomi, tu as l'Amérique. Naomi habille l'Amérique, nous disons, tu as de Mars. Naomi, tu as de Mars, il vient bien riche là-bas. Sorry, quand il est allé, bien riche. Après, quand il est venu la main vide. Ok, parce qu'il a perdu tout là-bas. Marie, des enfants, tout est enterré là-bas même. Il est venu, plein d'un an. À celle-là, quand il vient dans cet endroit-là, il vient avec sa belle-mère, sa belle-fille, qui appelle Ruth. Lui et belle-fille restent dans même la case. Quelle est la différence qui est capable de venir entre toi et ta belle-mère? Quelle est la différence qui peut venir entre toi et ta belle-mère? Quelle est la différence qui peut venir entre toi et ta belle-mère? Bon, regardez ça, verset là. Verset, chapitre 3, verset 17. Chapitre 3, verset 17. C'est un. Il reste même la case qui est belle-mère là. Tu es capable de même la case qui est belle-mère là. Tu es aussi un, ou bien un beau pied là. Tu es capable de même l'endroit qui dit mon là. Tu es capable de manger, même manger qui ça dit mon là. La famine là, il peut aussi pareil comme il peut l'autre là aussi. Tout le monde a fait peut monter pour toi aussi, comment il peut monter pour l'autre là aussi. Mais quelle est la différence? Ben, mais un jour, tu dis, moi, tu as la main remplie, à cela, mon tuni, mon pénin, non, rien. Mais quelle est chapitre 3, verset 17? Quand il peut jouer un Boaz, Boaz qui peut dire, do not go empty-handed. En français, c'est quoi? Il m'a donné ceci, mes yeux d'eau, en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. En français, c'est pas pour retourner à vide chez te, à côté de belle-mère. Moi, plus content en anglais, il dit, you will not return empty-handed. Mon frère, monsieur, les veuves, pareil comme ma belle-mère, la veuve, il est dans même la case qui est de belle-mère là. Tout pareil pour pareil. Tout pareil pour pareil. Mais quelle est la différence? Belle-mère, tu dis, oh, non, non, il est venu vide. Sa femme là, quand il est allé pour travailler, mon frère, monsieur, il retourne la case remplie de banques de choses. Sa qualité là, moi, il est prospéré. Voilà, c'est quoi? Bénédiction finance. Quand les autres du monde, même là, ce qui toi, d'époque, les autres du monde, même compagnie qui toi, les autres du monde, même qui toi. Quand les autres, ils vident, quand les autres banques ne font aucun avance à moi, là, tout pour faire. Quand les autres, ils vident. Toi, t'es pas pour vide, toi. Toi, t'es pas pour vide, toi. Je te dis amen. Donc, le chapitre 1, verset 21. Ah, voilà, mon fait des autres là. Il dit, ah, je te quitte, moi. Bon, Dieu, donne-moi une réponse pour donner Bandimoun. Qui me pose bon Dieu question. Qui fait mon père ça à ça, alors? Bon Dieu en tour. Bon Dieu tient ça avec moi. Bon Dieu qui, il fait vraiment payer. Un parti du monde, quand je passe un problème finance, quand une grosse somme d'argent, il quitte la vie, quand arrive un gros incident dans la vie, le taux est crasé, il n'est plus bien dans le taux, pas bon Dieu qui me prend tout le taux, hein? Du monde là qui me fait accident tout le taux.
Bon Dieu, pas si souffert, ça allait. Mais beaucoup de gens ont acquis bon Dieu. Pareil, là, hein, dans cette histoire-là. Réussir finance, tu connais déjà pour qu'il soit tranquille, non? Mais peu importe qui arrive, tu sais que l'ennemi est là. Allez, regarde ça. Lire verset 20, chapitre 1, verset 20. Chapitre 1, verset 20, oui, vas-y. Elle lui a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, pour le tout-puissant m'a conduit la vertu. Bon Dieu, fais-moi gagner la main, tu me bon Dieu, rends la vie amère. N'est pas vrai ça, hein? C'est tout qui est de moi. Je t'explique ça comme tu expliques, étudier la Bible. Dans la Bible, il y a une parole qui va dire, qui n'est pas vrai. Mais la Bible, il record, c'est qu'il dit, qui n'est pas vrai. Ça vient, c'est là que Ruth, Naomi, il peut vers sur lequel il peut dire. Il peut vers sur lequel il peut dire, bon Dieu, rends-moi la vie amère. Mais il n'est pas une vérité, ça. Ça fait comprendre mon langage. Il n'est pas une vérité, ça. Par exemple, sa madame-là, Lydia Joseph, viens couche avec moi. Sa phrase, viens couche avec moi. Femme-là, il dit ça. Il record dans la Bible. Les paroles de Dieu, ça, Dieu qui peut te faire coucher avec. C'est une phrase qu'un démon indien, il récolte dans la Bible. Il paraît comme ça, verset qui dit, tout ni nous venir, tout ni nous pour aller. Il n'est pas une affaire qui bon Dieu indien comme une vérité. Il y a une affaire qui, monsieur Job, dans ce douleur, quand il perdit tout, qu'il chose, il a une langue, sa phrase, il dit. Mais il n'est pas une vérité, ça. Dans la Bible, il y a un verset qui récolte, c'est qui Satan indien. Zetoliko, bon Dieu, pourquoi toi? Vina. Zetoliko, bon Dieu, pourquoi toi? Bon Dieu, indien, toi, Zetoliko? Non, c'est une phrase qui Satan indien et Enrico. Fais ça, rose, sans zé, vin, dipet, au manger. Bon Dieu, amène, je t'en fais, rose, vin, dipet. C'est une phrase qui Satan indien. Dans la Bible, je peux gagner parfois une bandimune dans un problème qui ont été, je ne vais pas lesquels, je ne viens des bonnes phrases. Enrico dans la Bible. Faut pas être quoi, ça, c'est une vérité. Bon, langage, c'est clair? Deuxième, tu peux gagner des bonnes phrases qui Satan qui nous déclarait. Faut dire pas tout quoi, ça c'est une vérité. Mais par contre, il y a un verset, bon Dieu prononcé, il y a un verset qui inspiré de Dieu, bon Dieu pour faire des bonnes qui déclare ça, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est David qui nous dit ça. Mais l'esprit de Dieu nous dirige pour dire ça. Est-ce que mon langage est clair? Allez, nous retournons à ce verset là, c'est-à-dire. Chapitre 1, verset 20. Est-ce qu'il m'a besoin de faire ça avec un message? Bon Dieu qui rend du monde sur la vie amère? Qui fait un nom à vie? Parce que ça dit mon là, dans son état d'âme, sa madame veuve là, dans cette situation qu'il était, lui, il peut mettre tout dans bon Dieu, rend-moi la vie amère. Peine à personne ici qui bon Dieu en taux, bien bon Dieu qui rend-moi la vie amère. Je te dis amen. Vous ne comprenez pas, vous êtes capable de perdre l'auto, par exemple, vous perdez l'auto, vous perdez des enfants, vous perdez un camion, vous perdez un travail, vous perdez un bon résultat, ou madame qui tout, ou Michel qui tout, vous perdez au ministère. Vous comprenez qui est capable d'être en termes de problématiques? Bon Dieu qui veut la vie amère. Non, mon frère, c'est loin de là. Regarde le verset 21 qui dit encore. Lire le verset 21. Je dis dans l'abondance à mon départ, et l'éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Le Tout-Puissant m'a affligé. En français, c'est affligé. En anglais, il dit God is the source of my misfortune. Misfortune, il dit, mais pourquoi je ne viens pas? Bon Dieu, il ne fait pas venir. Je vais aller la main vite. Je vais aller la main remplie. Qui n'arrive pas? Bon Dieu, il ne fait pas venir comme ça. Encore une fois, pas bon Dieu qui ne fait rien, fait ça, madame, là, finit la paille. Pas bon Dieu qui ne fait ça. Lui, il peut exprimer, lui, il peut dire ça, lui, il peut quoi? Il peut quoi, bon Dieu, il fait ça? Non. Et là, on peut causer avec aussi, pareil, il peut causer aux finances. N'importe qui trouve une aide de finances, n'importe qui problème de finances, tu peux faire face, n'importe qui manquement, tu es capable de trouver toi. C'est pas bon Dieu, c'est faute qui te l'a dedans. Ah, pasteur, mais, c'est quoi, qui m'a besoin de faire? Mais bon, tu sais qui bon Dieu, dis-moi. Ça m'a donné perdu ce monsieur et que ce dégarçon enterré dans un endroit, dans un pays qui Moab. Les vies dans la pauvreté. La famine partout. Mais c'était pas bon Dieu qui t'y entoure. Lui, et que son mari, t'y décidé pour quitter place que bon Dieu n'appelait pas de ça le pays là. Ben là, tu prends sa décision là. Bon Dieu, que de bon Dieu entoure là-dedans. Ben là, tu prends une décision par là-bas. Faudrait pas te mettre tôt le bon Dieu quand toi, tu ne prends des bonnes décisions. Je te dis amen. Allez, right. Get chapitre 2, verset 20, verset 12. Get nous bougain la clé là. Get la clé là. Get la clé. Allez, vas-y, Freddy Puck. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Bon, pour montrer juste cinq raisons qui font maintenant introduire de la pauvreté et pour montrer juste cinq raisons qui font, c'était pas Dieu qui t'est là-dedans. Numéro 1, écris un numéro 1.
Dans chapitre 2, verset 12, vous trouvez, chapitre 2, verset 12, Boaz pour dire, hey, bon Dieu bénis-toi, ta. Ruth, bon Dieu bénis-toi, tu es sorti de sa pays, Moab, là, tu viens là, tu viens en bas les ailes, bon Dieu. Tu viens en bas les ailes, bon Dieu. Je viens d'Israël, en bas les ailes, bon Dieu. Mais qui fait? Au départ, je suis en bas les ailes, bon Dieu. Allez, right. Suivant. Comment c'est la poule longtemps? C'est la poule, tu peux mettre 19 et clos. Comme je peux connaître qu'un poule une pomme 19, moi, tu peux connaître si ça 19 fait une pomme ou bien 19 il va se saisir pour couver. C'est sûr? Moi, tu peux pas checker si il est sûr, 19 là. Même good try, not bad. Comment tu peux connaître ça 19 là, une fake pomme ou bien 19 là, un autre poule, il vient une pomme ici ou bien 19 là, il peut chauffer, chauffer là. Mon maman, c'est ce que tu peux faire avec mon papa. Je prends un zéphla, je prends un sorbon, je mets un lacroix là-dedans. Bon, je vais dire lacroix, tu peux mettre un right, hein? Pas faire ça avec une religion. Mais tu peux mettre un right, un point, une interrogation, une exclamation, une virgule, un double code, un single code. Qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre? Ça dépend que là, pendant l'élection, je connais, je mets lacroix, je mets lacroix là. Puisqu'il n'a fait que de dire, parfois, je fais une superstition. Il peut en avoir une superstition là-dedans. Assez comme on peut dire un service sorbon, ça, si je peux faire une superstition. Sorbon, parce qu'il est une mort, qu'il est resté taille. Nous passons la peinture, vous peinture, disait. Quand on fait des affaires, il ne faut pas superstition. On dit juste, dit-il là, ça allait là, nous ne servit. Alors, nous prenons Joseph, nous mettons la croix. Si pour l'un répond, nous vous disons, ou bien si un autre poule, nous venons une poule, et là, nous finissons ça, bon Joseph, ça. Ça nous apprend à aller, et pour qui il dit Joseph, bon Joseph. L'autre balance, c'est cassé pour nous sentir pire, parce qu'il est en plein préparation pour le 26%. On oublie, on est moins appelé ça, on oublie, on appelle ça. Depuis 20%. Mais il est arrivé seulement quand tu finis avec beaucoup de 10%, hein? Mangousse vinil est là. À ça, quand mangousse vinil, jamais mangousse là, il faut que je dise, ma poule, il a saisi tout ce bon 10% là. Jamais mon désert, il a mangousse vinil, il lève les ailes, ma poule, il prend, et ceux. Ah, il a ça trop petit, hein. Ça n'a sur la cuisse trop petit, vous pensez, ah, ça n'est pas bien correct. Allez, dis, merci madame. Après, il prend poussin et allez. Jamais mon trou mangousse mange un poussin qui tient en bas les ailes sur ma poule. Ben, petit poussin qui mon trou mangousse, qu'aucun allait, c'était tout le temps ben, petit poussin qui n'a traîné, comment nous dire. Vous venez, ma poussin traîné? Vous n'a traîné pour qu'on écoute ça. Et là, qui mangousse, il vient de manger. Correct? Il m'y a rien? À ça, nous guetter. Venez, je sais. Le verset 12. Réalise le verset 12, soit dit pas. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ça veut dire, bon, écoute ça, hein? L'eau Bethléem, l'eau Israël, bon Dieu, tu es ouvert sur les ailes pour protéger ce banc-là. Mais même il y a la famine. Tout le monde peut rester là, tu n'as pas rester toi aussi, que fait-on bien aller? Non. Monsieur Elimelech, avec Madame Naomi, employé bagage, nous ne pouvons pas aller, nous. Je veux rester, je veux agir par la foi. Ça m'est arrivé. Mon prochain point, c'était ça. They didn't live by faith. They did not live by faith during famine. Alors, je tenais un contact, ma dit Moab. Je tenais un contact, Moab, je la famine, là, puis j'ai fait que tout ça fait une montée, puis tout va passer à ce vin avec l'église, elle veut des montagnes blanches, vive par la foi. Ok, nous ne réussissons pas, nous perdons, nous. Ok, je n'en allais. Pour 10 ans, je ne travaille, je ne réussis à ma casse. La monnaie finit seulement. Banane, une femme, on les a pris sur là. Banane, mot, dans plein abondance. Je parle de mot parce que je suis dans manquement, frère. Je parle de mot parce que je n'ai pas tenu à manger. Je parle de mot, ça, banane. Il y met les mots, ce dégarçon, mot, maman, la besoin tout ça, banane, ça, le pays, là, banane, même pas de café extra. Diation? On appelle ça là, tu fais sur les côtes, tu fais une Maurice. Rapatriation, voilà le mot. Pas le capable de rapatrier l'écho, ni son mari, ni son dégât. Je n'enterrai là-bas même fini. Personne n'a pas même qu'à faire l'enterrement. Aucun pasteur n'a fait l'enterrement là-bas. Fini, n'enterrai là-bas même. Je ne mot incognito, unknown. Et qui s'est tiré à l'autonomie dans l'abondance? 10 ans, je n'allais, je ne travaille, je ne mourrai tout là-bas. Soit 10 ans à venir. En allemand, qu'il me trouvait après. Il me disait retourne dans Israël, il me disait vivre par la foi. La Bible dit mon juste vivra par la foi. Oui, moi d'accord, dans Maurice, c'est un moment difficile en ce moment, dans le sens que mes affaires peuvent augmenter. N'a pas encore pour quitter parler, on saute pour aller. Vive par la foi, bon Dieu, pour nous, de la foi. Tout ça, ben, les autres, du monde, frère, je vis par la foi, je. Bon Dieu, béni, je. Bon Dieu, il visite avec 10 pains. Quand bon Dieu peut visiter ce peuple avec 10 pains dans Bethléem,
L'île reste dans Moab, il n'y a pas une visitation de Dieu. Mais c'est de la place qui vient dans l'air qui vient de la visitation de Dieu. Ok. Alors, premièrement, je ne quitte refuge, je ne quitte les îles bondées, je n'allais. Deuxièmement, je ne vis pas la foi. Je n'en vis à vivre par ce que je peux trouver, je ne sauver, je ne fuir, je ne vis pas la foi. Troisièmement, chapitre 1, verset 15. Quand je n'allais dans Moab, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas idole. Je ne quitte un pays. Je connais comment ça t'est joli dans Israël, ça, à l'époque-là. Je te guide, moi, là, hein. Et réfléchis ce qui me peut dire. Est-ce que je te connais comment ça t'est joli dans Israël? Un idole patienne. Tout du monde, tu peux prier l'éternel Jéhovah, le grand Dieu. On étudie l'Aisne. Dans l'Aisne, tout coin la rue, il y a un temple. Tout coin la rue, il y a un temple. Quand tu allais, il y a un tiring parang pefer. Kididing, kididing, kududung, pefer. Grand matin, tantôt, n'importe qui, tous les heures, c'est la prière pour eux. Ouais. Mais comme on a un pays, par exemple, comme on a Dubaï, tu peux pas trouver un tas de chemin, juste avant, ceux qui n'ont l'Angleterre, ceux qui n'ont les autres pays, tu peux pas trouver ça. À l'oublier le pays, nous pense Israël à cette époque-là. Pas tu n'as aucun idole. Ben là, quitte un pays que tu n'as aucun idole, aucun idolâtrie. Et ça cause un manquement. Je te quitte ça que je t'allais dans Moab. Et dans Moab, tu n'as rempli idole. Et même qui bien là pour dire, hein, allez, que tu n'as que ce belle-mère, que ce maman, que ce ban idole. Allez, toi aussi, que ce ban idole là. Tu fais là, tu dis non, pour quitter ce ban idole, et tu fais là pour venir dans Israël ici. Ok. Ce que mon père dit, c'est, nous besoin vaincre puissance idolâtrie. Vous avez arrêté? Connexion Internet? Vous toujours online? Que ça, ma bonne enfant. Vidéo papello de Facebook. Monsieur, nous encore live là, monsieur? Vous avez un IT manager, vous avez alert? Allez, fin, moi, commence à prêcher parce que mon père record en même temps ici, là. Peuple de Dieu, nous observez bien idolâtrie. Idolâtrie pour l'irance aux finances. Écris ça qui te porte, mets ça dans un petit coin qui te porte. Idolâtrie, il y a pauvri, ben, dimon. Tout ben, les rois, sœurs, bon Dieu, tu bénis, ben, les rois d'Israël. Salomon, et tout ben, les rois qui t'y viennent après. Tout ça, ben, les rois, là, le moment où on commence à fourrailler avec idolâtrie, la pauvreté ne commence tout seul. Vous voulez me donner un exemple flagrant? Ça n'a qu'un Salomon. Salomon qui te demande bon Dieu. Qui bon Dieu te dit Salomon? Qui te l'aime faire pour toi? Et là, Salomon qui te demande. Seigneur, demande la sagesse. Give me wisdom to lead the people. Nous pas live. Monsieur, nous live là? Nous pas live. Allez, mettez-nous live. On connaît que je peux organiser pour nous live, mais on peut continuer mon message. À cause de ça, il ne faudrait pas être live. Je vous avais une église. Salomon, bon Dieu, j'ai dit, tu connais à cause de pas de demandement l'eau, de pas de demandement l'argent. Ton demandement, c'est ta sagesse. Tu connais qui bon Dieu, j'ai Salomon? Moi, pour donne-toi l'eau. Moi, pour donne-toi l'argent. Comment jamais j'ai mon gagné. Moi, pour donne-toi la sagesse aussi. Tu pour réussir de façon extraordinaire. Et dans l'époque Salomon, ben, n'a pas tué Bali la case. Tu Bali casse. Allez, la Bible te vous trouver. Dans l'époque Salomon, tu as tellement beaucoup l'argent. Ben, là, tu prends Bali et tu peux Bali. Autant riche, bon Dieu, tu fais Salomon venir. Les rois qui sont loin, loin, prennent beaucoup d'argent pour Salomon. Mais vous connaissez ce qui s'est arrivé? Vous connaissez comment Salomon a dit ça là? Vous les connaissez? Salomon commence à garder madame. Pas un, pas deux. Frère, allô? Il y a 1000 concubines. Et c'est ça? 1000 concubines? 1000? 1000 femmes de haut, 1000 maîtresses. Salomon, c'est non. Et je veux que la Bible dise, chaque femme qui Salomon a ajouté sur la liste, ben, femme-là, il commence à rire Salomon sur l'équerre, vers Zot ban bon Dieu. Salomon, tu m'aimes toi, chérie? Moi, prier sa bon Dieu là, moi. Tu veux faire sa bon Dieu là, de salon. L'autre là, vient dire, t'aimes faire sa bon Dieu là, pour lui, moi, prier ça là, moi. Tu veux faire ça là pour moi. L'autre là, il vient dire, ici, Salomon, tu veux une bain de sa délue spéciale là, parce que c'est. Nous revenons. Allez, vous êtes excusez-nous pour cette interruption-là. À cause de ça, je vous ai présent en présentiel dans l'église. Ok. Salomon, riche comme il était. Tu connais comment il est venu? Idolâtrie qui m'a dit, il enchaîne. Je ne sais pas comment Salomon finit du tout, mais là, juste prends note. Nous avons vaincre l'idolâtrie, n'a pas laissé l'idole rendre de la vie et pas pour la pauvreté de la vie.
Vous pouvez vous obliger dans l'autre affaire, qui peut-être jamais vous imaginez. Ouvrez la Bible dans Ruth chapitre 4, verset 3. Ruth chapitre 4, verset 3. Tu n'as terrain, Stéphane? Apporte la maison, vous n'avez pas de terrain? Allez, avec ça, qui est un terrain, apporte de la maison qui est là. Un terrain qui n'est pas là. Où est-ce que c'est? Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, pas planté. Et là, vous allez au road mile là-bas. Vous gagnez? Bien, vous gagnez. D'accord, là? Écoute bien qui m'a pour dire. Lisez ça, verset là. Lisez ça, verset là, pour moi, pour expliquer. Allez, vas-y, dis-le. Chapitre 4, verset 3. Oui, il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenu du pays de Moab, a vendu la pièce de terre. Attends. Explique-moi bien ça. Naomi qui peut faire? En créole. Naomi qui peut faire? Une retourne dans le pays de Moab. Qui lui peut vendre? Il peut vendre qui ça fait? Ça veut dire qu'il tient non? Attendez. Naomi qui tient non? Il tient un grand pochon la terre. Quand la famine est venue, qui fait que ça la terre là? Qui te lit comme ça même? Il nous a sauvé lui. Il dit que son mari et que son dégât sont sauvés. La terre là qui n'est arrivée ici. Bikoul n'a pas de pousser. Pendant qu'il lit, il n'y a pas de prendre soin sur la terre. Boaz qui ne fait lui. Boaz est sur la terre qui ne fait lui. Allez, écoutez avec moi, vous êtes. Boaz est planté dans ce terrain. Boaz il prend soin de ce terrain. Boaz il met du monde pour travailler dans ce terrain-là. Boaz il arrive là pour Boaz il récolte. Et même qu'il y a la moisson. Comment se fait-il des du monde dans le terrain? Et c'est des familles, ça, hein? Naomi, son mari qui appelle Elimelech et Boaz, c'est famille, ça. Famille, même pour son terrain, elle n'a pas prendre le temps et investir pour qu'il terrain là développé, en même cas développé, mon frère, moi, c'est pour gagner finance. Il y a un terrain là comme ça, il y a un terrain là comme ça, il y a un terrain là comme ça, clair? La Bible n'est pas outdated, ça. Il n'y a pas une vieille histoire quand on lit dans la Bible. Ça, la Bible là, si vous lisez avec l'Esprit de Dieu, bon Dieu, pour montrer aux bannières qui bannissent, il fait dans le passé pour ne pas reproduire. Et qui gagne, parce que Cyril, tu dis ça. Celui qui pas apprendre, celui qui pas tient leçon depuis dans le passé, il peut commettre même erreur dans le futur. N'importe qui dit, moun, si tu pas tient leçon, tu pas tient bonne leçon dans ce qui n'est arrivé dans le passé, tu peux faire même erreur. Moi, je vous donne un exemple, moi. Fait que moi, je dis, moi, je viens pasteur, je ne pas intéressé par les autres pasteurs qui existent dans la terre, moi, je suis spirituel, moi, je ne vois pas besoin de personne, moi, je connais moi, je Jésus, moi, j'ai révélation, je prêche, grand miracle qui arrive. Tôt ou tôt, moi, je fais même erreur que les autres du monde ne font. Quand tu connais qui est arrivé dans l'histoire, quand tu connais quelqu'un qui s'appelle Smith Wigglesworth, Catherine Kuhnman, A.A. Allen, quand tu connais qui est du monde qui les a vivre dans la terre comme un pasteur, quand tu connais qui a fait ça maintenant tomber, l'orgueil, dans l'oubli des femmes, dans l'oubli des casse. Quand tu connais qu'ils ont fait une faiseur tomber, quand toi tu viens pasteur, tu ne vas pas pour commettre même erreur. Who learn from the past will commit the same mistake in the future. Écris ça. Oubliez l'église. Tu travailles ici pareil. Tu te corrières ici pareil. Tu te carré de la vie pareil. Si tu ne veux pas prendre des leçons du passé, nous voulons nous une victime de ça dans le futur. Ok, c'était juste un bonus pour je mettre un petit note. Gloire à Dieu, merci Jésus. Voilà! Un quelqu'un qui est dans le terrain, ni lui, ni son mari, pas investi dans le terrain là. Il laisse le terrain dormir comme ça même. Est-ce que tu connais, bon Dieu, nous autres, dans le terrain? Que ce soit sur de la case, que ce soit sur de la vie, que ce soit sur le talent, que ce soit sur le courrier, que ce soit l'église, il y a un joli terrain. Travaille, mon frère, mon sœur. Travaille dans le champ qui, bon Dieu, finit de nous. Encore une fois, le champ, il est capable, le champ de Dieu, ou bien le champ, il est capable, le champ qui, bon Dieu, finit de ton terrain. Investis, roule ça, affaire là, fais-le, donne un rendement. Let it work for you. Let it produce for you. Quand on a tellement prêché comme un Boaz si bien riche. Mais Boaz m'a fait même erreur qui ça, madame, m'a fait. Allô? Je la même? Gloire à Dieu. Et dernier point, mon budget, dernier point, comment sa famille est pauvre? Encore une fois, c'est pas bon Dieu qui n'afflige. C'est pas bon Dieu ce feu de ça. Bon Dieu, n'est-ce pas terrestre, bon Dieu pour faire pour planter, bon Dieu pour arroser, bon Dieu pour faire tout. Mais viens dans les cieux là, on s'en va au lit là. Tu pas pu faire rien dans la terre. Viens dans les cieux, viens, l'express nous fait une petite chose spéciale pour toi. Non, il met dans la terre, tu as besoin de cultiver. Qui bon Dieu, tu j'adore? Cultive la terre, fructifier la terre, multiplier, faire la terre reproduire. Il y a une raison qui fait tout le sang la terre là. Je te dis amen. Merci Seigneur. Un autre point qui fait maintenant rendre dans la pauvreté. Et là, moi, pour étonner beaucoup, Manjimoun là. Un autre point qui fait maintenant trouver dans la pauvreté, qui fait sa femme là, inhaler avec l'abondance, lui, son mari, avec ce dépit. Et qui fait à celle-là, je blank, je peux non rien, je vide net. Tu connais qui fait? Allez, right. Question pour un champion. Combien de temps je t'y fais dans Moab? Minimum les temps.
Minimum les temps, comment est-ce que tu fais de Moab? Je vous dis ça dans Ruth chapitre 1. Dans Ruth chapitre 1, minimum les temps, comment est-ce que tu fais dans Moab? Pardon? 10 ans. Qui verset y était? Verset 4? Chapitre 1, verset 4. Minimum 10 ans. Parce que je suis marié, ben, garçon là, tu es marié là-bas pendant 10 ans. Écoute bien, écoute. Allez, ok, 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 frère, pendant 10 ans, je parle d'un bon Dieu, je la dîme sur l'offrande. Pendant 10 ans, quand je ne parti, je suis dans le pays là. Pendant 10 ans, quand je ne quitte Israël. Pendant 10 ans, je suis là, quand je ne quitte Bethléem. Pendant 10 ans, quand je ne quitte, je suis là dans Moab. Jamais je ne viens. Tu n'as pas une offering, tu n'as pas l'offrande que tu faisais faire toutes les années. Tu te rappelles Anne? Et pour moi, je suis habitué à la Bible. Tu connais Anne, l'histoire Anne? Anne avec son mari, qui tu fais toutes les années? Tu viens d'Israël, tu viens de Jérusalem, tu viens, tu amènes de l'offrande que j'habitais faire toutes les années. Tu demandes l'offrande spéciale que tu faisais faire toutes les années. Mais 10 ans quand je suis là-bas, je parle même pense pour amener de l'offrande pour un bon Dieu. Pour gagner, je ne gagnais beaucoup. Mais je ne perdis tout, c'est moi. Parce que je ne trouve l'importance pour honorer bon Dieu. Deuxième. Tous les mois, je faisais honorer bon Dieu que je l'offrande. Chaque pleine lune, quand la lune, je demande pas si 31 jours, comme à nous, tiens d'autre façon. Mais chaque la fin du mois, tu demandes l'offrande que je faisais au nom bon Dieu. Est-ce qu'il va en faire ça? Non, parce que quand je t'étais là, dans Moab. Troisième, sabbat. Quand tu es dans sabbat, tous les 7 jours tu es dans sabbat. Frère, Dominique, quand je suis là-bas dans Moab, de quoi je ne pratique le sabbat? Et dans le sabbat, je faisais au nom bon Dieu. Tu faisais mettre l'offrande au nom bon Dieu. Est-ce que je ne fais, allez l'église, est-ce qu'il va en faire l'occasion quand je peux travailler dans Moab pendant 10 ans, peu importe que mes bananes, je ne cause pour réussir là-bas, je ne marie, je ne fais quoi que ce soit, je ne pensais pour faire là-bas. Est-ce qu'il pendant 10 ans, je ne mets bon Dieu? Est-ce qu'il pendant 10 ans, je ne honore le principe de Dieu? Est-ce qu'il pendant 10 ans, je ne honore ce qui bon Dieu dit? Non! Non! Allez, qu'il me parle un peu plus loin. Frère, la Bible dit si tu as un terrain, si toi tu as un terrain, pendant 7 ans, tu plantes dans ce terrain-là, combien de bananes? Allez, cause avec moi. Pendant combien de bananes tu as planté? Mais 7e banane, tu n'as pas planté, hein? C'est dans la Bible, tout ça, là. 7e banane, tu laisses la terre là, comme ça, même. Laisse-les reposer. Pas mettre non, rien. Laisse-les quand même une touffe, quand même une piquante loutou. Laisse-les, tu n'as pas planté là-dedans. C'était le sabbat. Tu connais des bananes compagnies comme ça, principe, là. Quand je plantais, surtout. D'accord? Mais quand toi, tu es un planteur, dans ça, l'époque, la Bible, là, quand 7e année, il est arrivé, tu n'as pas pu planter. Tu as l'écho qui est arrivé, toi-même qui est arrivé. Pendant un an, tu ne prends une brique. Mais pendant l'année, pendant 10 ans, je ne prends qu'une brique, frère. En quoi et en cause, je ne viole ben, la loi qui bon Dieu dit. Tu pensais que tu pourrais réussir financièrement? En violant la parole de Dieu, en désobéissant ce qui bon Dieu dit. Bon Dieu, pas contre casse. Bon Dieu, pas contre qui doit faire un exploit. Bon Dieu, pas contre. T'as réussi financièrement. Mais bon, Dieu a envie de réussir, mais en même temps, mets ta parole de Dieu en pratique. Est-ce que le peuple de Dieu peut comprendre ce qu'il m'a dit, hein? Comment est-ce que ça m'a donné une allée, la main remplie, comme elle prétend être? Après, il venait la main vide, il nous va la porte pour le diable de rentrer. Tu déjà, m'a pu comprendre la pasteur, hein? Je termine avec, demande 5 minutes. Gloire à Dieu, merci Jésus. Bon, mon Dieu, maintenant, comment Ruth, nous rirons dans l'histoire Ruth, comment Ruth est sortie sa madame incognito, inconnue, comment elle vient sa femme verdoyant là? Verset 18, chapitre 1, verset 18. Ce belle-mère pour dire une phrase bien faux là. Allez, vas-y. Et maman, comment dire, je belle-mère aujourd'hui. Je te regarde moi là. Maman, je belle-mère aujourd'hui là. Hein? Allez, viens, Saint-Sou, frère. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça, c'est. Non, le chapitre 1, verset 18, il dit pas jamais the Lord show his kindness to you. Ou bien l'autre verset, il dit ça. Il dit qui bon Dieu montre-toi faveur ou bien. Qui verset était? May the Lord show kindness to you, verset 16. Verset 17. Allez, vas-y, dis verset 17. C'est quand Naomi pour causer que ce de belle fille pour dire allez à la case de Marie, allez à la case de maman, bon Dieu pour montrer votre faveur, je pourrais gagner le week-end pour moi ainsi de suite. Est-ce que c'est chapitre 1, verset 18, verset 16, peut-être moi mal mettre référence, verset 12, allez lire verset 12. Non, de 12, moi pour venir après là, il est dans chapitre 1, quand il causait que ce bande belle fille. Allez, passe-moi la Bible. Verset 8, 9? Verset 8, Yali? Fais-le, Yali.
Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous. Voilà, voilà, c'est ça, ça use de bonté. Passe-moi ça. Passe-moi ton plume, ton crayon. Voilà. Je vais prendre le corrige mon référence, je vais mettre 18. En fait, ce n'est pas 18, c'est 8. Tu as trouvé quand tu perds 10 points à l'examen? Tu as mis N quand tu n'as pas besoin de mettre N. Peuple de Dieu, la Bible dit à moi, écoute ça là, hein? Belle-mère là pour prononcer une parole. Et maman, je suis belle-mère là. Hein? Belle-mère là pour prononcer une parole. Il peut dire, bon Dieu, pour montrer une faveur. Belle-fille, une tante pasteur là, cause faveur. Je te dis faveur. Je te dis faveur. Chapitre 2, verset 2. Chapitre 2, verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller garder des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Grâce. Dans ta version, il dit grâce. Souligne grâce, mais faveur. Attends, belle-mère qui te dit, pasteur Vachan, faveur. Tu peux trouver faveur. L'île rentre de Jérusalem, dans Israël, il peut dire belle-mère, laisse-moi un travail, dans mon travail, qui m'a trouvé. Faveur! Ben, je t'ai donné la clé pour réussir financer, hein? Attends là. Montez-moi chapitre 2, verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna pour terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Ah, là-bas, il dit grâce. En fait, le mot, c'est faveur. Il rentre de travail, il dit à son manager qui appelle Boaz. Boaz, ah, mon trou, faveur! Devant Olivier, non, rien de la même. Je te dis faveur. Non, je ne te pas dire. Je te dis faveur, 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 faveur. Alors, un coup, je te dis faveur, 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 faveur. Écoute ça là. L'intan, un jour, il a une mission, Voilà, c'est sa mission. Elle veut des mots là-bas, vis à vis avec Bistop. Voilà, c'est sa mission. Un jour, il a une mission. Il trouve un belle-mère qui a habillé costume. Belle-mère avec costume, il dit faveur, bon Dieu, le toi. Premièrement, il tente faveur. Eh, faveur, là, au moins. Qu'est-ce qu'il vous fait, là? Ok. Et le jour, il dit à son belle-mère, elle est là, il dit à son belle-mère, il dit à son pasteur, je vais trouver faveur. Il dit à son belle-mère, laisse-moi un travail, je vais trouver faveur dans mon travail. Maintenant, quand il rentre dans le travail, il commence à mosser dans faveur. Mon frère, mon Seigneur, Dieu n'est pas un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de faveur. Vous pourrez dire, Dieu n'est pas un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de faveur. Et la faveur qui bon Dieu pour vous faire, mon frère Moïse, ou pour étonner. Préparez-vous, mon frère Moïse, pour une multimillionnaire, pas parce qu'on transpire, parce que bon Dieu fait vos faveurs. Préparez-vous pour gagner des bonnes choses dans la vie, meilleur prix. Préparez-vous pour gagner des bonnes faveurs dans la vie. Je te dis, I connect and I receive. I connect and I receive. Favor of God. Le pasteur Jerry Savelle, le pasteur dit, si tu plantes, tu causes beaucoup le faveur de Dieu. Faveur, bon Dieu, ça fait extraordinaire, ça. Hein? On prend des affaires. Fait qu'on va dire, on prend des affaires, qui quelqu'un a dit, tu as payé pendant 2 ans, mais pas pour aucun intérêt, paye tiki tiki, tu as fini payer tout. Comment on appelle ça? Faveur. Fait qu'on va dire, tu as avec tes enfants à l'école, tu finis rendre camarade avec chauffeur là, je dis, pas casser ta voix, tu petit mot, pas casser tes mots, mettez devant, pas casser tes. Comment on appelle ça? Faveur. Pour toi, les c'est une faveur, mais en l'autre mot, tu nous fais économie aussi, tu vas payer ce transport. Ça veut comprendre ce que je veux dire. Quand faveur bondit dans nous la vie, des grandes choses peuvent arriver, hein. Un débat, la clé pour réussir finance, faveur de Dieu. Et quand on a la faveur de Dieu dans la vie, ben, l'application trouve faveur. Application un permis, application patente, application bar, ne m'occupe pas de faveur bon Dieu dans où la vie, ou ben, dossier passe, comment dire, passé physique. Chou! Allez vite, vite. Je dois dire faveur bon Dieu. Alors, qu'est-ce que nous faire? Tan, faveur de Dieu, recevoir la faveur de Dieu, confesse la faveur de Dieu, et mosse la faveur de Dieu. L'intan, l'indon se jouer, l'intan, faveur de Dieu, qui se belle-mère causer. Après, lui-même, il commence à confesser, faveur de Dieu. Qu'est-ce qu'il commence à dire? Moi, pour aller, moi, pour travailler, et un jour, moi, pour trouver grâce, faveur, devant du monde. Moi, pour trouver faveur un jour. Moi, pour trouver faveur un jour. Ou qui peut écouter moi live, ou une tante faveur aujourd'hui. Commence à confesser, moi, un homme de faveur, moi, une femme de faveur, moi, projet pour trouver faveur, moi, pour trouver faveur. Si vous voulez un produit, vous voulez un produit, ou faire un, ou vendre mon produit devant le tout. Seigneur, je vous trouve faveur devant sa client là. Je te dis amen. Faveur, bon Dieu, il y a l'ascenseur pour réussir financièrement. Je te dis gloire à Dieu. Ok. Merci Seigneur, merci Jésus. Ce qui me content aussi, bon, il ne faudrait pas se nous dire, nous prenons la faveur de Dieu, là, nous cassons un peu aux olives. Marie, amène un peu raisin, un peu fruits, un peu légumes, un peu vitabix, parce que je prenons la faveur de Dieu dans ma vie, mon petit peu de gros lipier. Faveur, bon Dieu, pas faire nous une paresse. Tout ce que tu fais aussi. J'ai dit faveur bon Dieu, pas veut dire te paresseux. Faveur bon Dieu, pas veut dire te assiser. Rien à faire.
Ok, nous qui t'aimons maintenant, quand il connaît qu'il y a une faveur bon Dieu sur la vie, comment il peut mettre la main dans la pâte? Chapitre 2, verset 1. Merci Seigneur, merci Jésus. Il y a une femme qui vient la main vide. Il y a une femme qui vient la main vide. Il rentre dans Bethléem. Ensemble avec ce belle-mère. Chapitre 2, verset 2. Il dit à ce belle-mère, laisse-moi le travail dans le carreau. Moi, je ramasse un peu de la graine, de la semence dans le carreau. Chapitre 2, verset 3. Il commence le travail dans le carreau. Chapitre 2, verset 7. Il travaille grand matin bonnet à 6 heures. Jusqu'à qu'il arrive 10 heures, 11 heures. Il prend un petit break, mais il continue le travail. Chapitre 2, verset 17. Il travaille jusqu'à faux tard dans la nuit. Chapitre 2, verset 17. Quand il finit le travail tantôt, il ramasse ce qu'il a gagné, il commence à piler le roscari, parce qu'il passe dans le moulinet avec son temps. Hein? Il pile le roscari pour les gagner, pour les manger la case. Bon, on a dit clair? Je peux cause créole, hein? Je peux expliquer en créole, à cause ça, je peux servir une expression créole. Mais même ça fait créole, là, c'est même qu'il fait là-bas. Chapitre 2, verset 23. Il travaille jusqu'à. Est-ce qu'il gagne plein? Allez, réponds-moi, l'église, jusqu'à quand il travaille? Est-ce qu'il y a plein? Est-ce qu'il y a la guerre? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il non! Il travaille jusqu'à quand? Jusqu'à la moisson finie. Si tu as un contrat de tout travail, pas arrêter avant le contrat là fini. Tu vas pas trouver, tu pas clair la Bible là? Tu n'as pas le droit de travailler tant que le travail là pas fini. Tu as un contracteur, tu ne prends la case pour ranger. Tu as le droit de quitter sa client là la matinée si même? Tu n'as pas le droit, frère. Tu as besoin de travail jusqu'à la moisson finie. Tu as besoin de travail jusqu'à tu complètes la case avec ça du monde là. Est-ce que tu peux comprendre maintenant les gens qui m'ont pu donner là? La Bible dit moi, il travaille jusqu'à la fin de récolte. Montre-moi si un dimon travaille jusqu'à la fin de récolte, la fin c'est qui besoin, la fin jusqu'à la fin de coyote, on dit tu travailles jusqu'à tout, allons dire 60 ans, 65 ans. Montre-moi qui fait bon Dieu, pas pour progressivement, fais-toi prospérer, fais-toi réussir. Quand tu fais pas réussir, 25 ans, 40 ans, 35 ans, tu as vu qu'à chaque décor, moi, pas pour travailler à mon gouvernement de ma pension. Tu déclares fou, tu déclares seul, tu peux devoir voyage gratis, tu gagnes pension. Mais pas comme ça qu'il peut venir, mon frère, monsieur. Dimon fou, pas venir. Mais tandis que mon père est là, alors arrête à l'hôpital. Non, je vais rire. Moi, je me connais personnellement, je connais quelqu'un. Et comme on t'a dit, il a l'admet dans le mental. Moi, avec ma famille, il commence à prier la case. Il peut prier, il peut intercéder pour les libérer. Puis ça se démo, il peut prier. Après un an et demi, tu commences à apprendre. Il te tape dans l'or. Il déclare fou. Qui fait? Pour qu'il y ait alimonie. Alimonie, on peut ça? On appelle ça. Pension, voilà, un mot plus clair, pension. Dimoun, dans Maurice, pour gagner un chicasse, et gouvernement, fait tout sur qualité cinéma. L'objet veille bien, mon frère, monsieur. Il ne faut pas nous comme ça. Habituellement, il travaille. Ce qui me comprend, ce qui me content là-dedans, il tient Dimoun. Hard work, pas hard work, sorry. Il travaille, il tient quelqu'un qui travaille, il n'est pas si paresseuse. Voilà. Il commence à faire non. Dimoun de carreau, Dimoun de compagnie, il commence à connaître. Satisfait là quand il vient travailler, bah, d'ailleurs, ben bah, là, pour dire ça. Satisfait là quand il vient travailler, il rentre avant de tout tailler, il prend une petite pause même, voilà, il peut travailler sur un travail correct, hein. Manager commence à se causer. Eh, satisfait là, il travaille. Ouais, il travaille bien, ça, hein. Sur un travail correct, ça, hein. C'est comme ça qu'il nous a besoin de travailler. Le deuxième, amen. Il m'a dit une phrase, hein, qui écrit à lui. She did not follow her passion. She did not follow her passion. She resolved a problem. Je peux expliquer 2 minutes courtement pour la dent là. Frère, personne ne va pour payer toi pour ce que tu as envie de faire. Tu as envie de mettre un langouti dans ce du monde pour payer toi pour ça? Non. Coup de langouti là, du monde pour payer toi. People will not pay you for your passion. People will pay you if you are a problem solver. Écris ça qui te parle dans mon comment. Je voudrais dire, nous tous nous avons une passion. Nous tous nous avons envie de faire des affaires. Pas parce que moi, j'ai envie de faire des affaires pour payer moi pour ça. Non, si je me résous un problème, tu l'as vite pour payer moi pour ça. Comme on appelle plombier pour venir travailler avec moi. Mon appelé parce que mon appelé moi pour payer lui parce que il résout un problème que moi. Je vais te donner un exemple. Et là, je peux causer que Banzofa à l'école parce qu'un gros erreur qui Banzofa à l'école parfois faire. Moi, je suis bien content de faire art. Depuis l'air, moi, content de faire art. Moi, peinturer. Moi, faire un joli la peinture, un joli dessin. Moi, j'ai adoré art. Moi, content de faire art. Moi, passion, ça fait art. Quand on arrive à l'université, moi j'ai envie de faire hard. Mais mon tonton, j'ai dit non. Comment pour faire hard bizarre avec dans Maurice? Maurice n'a pas payé gros casse pour faire pour un dessin. Tu peux mettre un dessin 10 000 roupies, un Mauricien qui ne fait ça, tu as la peau noire, tu ne fais ça. Tu vois, pour gagner quand tu t'es casse qui besoin. Qui commence à faire hard bizarre? Elle fait IT. Et ben, peut développer. Rendre un computer. Là-dedans, tu peux gagner une jolie carrière.
Qui m'a fait là? Mon galop de mon rêve, mon passion? Ou bien mon galop de ça là qui t'y a fait, let us do what is right now. Et mon langage est clair. Parce que je suis content de danser, moi, je suis content de danser. J'ai mon poupée pour te danser. Ça doit faire un film qui nous trouve. Parce que je suis content de souffrir. Et je suis jeune dans l'église, j'ai un pasteur, je suis content de faire un cadre. Pasteur, je suis content à l'école de foot, je suis football bien, je suis content à l'école moi, parce que je suis un grand footballeur. Et je suis content comment tel footballeur qui m'a guetté la télévision. Oh! Viens là, vite là, viens là. Viens là. Garde ton inette là-bas. Viens là, débout là. Debout près de moi, moi j'allais comme ça, hein? Hey! Allô, levez! Allô, oh, levez! Regarde-moi, nous dans Maurice là! Nous pas dans les robes là! Dans les robes, grand footballeur, gagne pas un million, pour payer toi, pour tes photos, hein, viens signer le mot les deux. Ici, tu passes le chemin, écoute, signer le mot les deux, toi, hein? Dans le pays, hé, hey, monsieur, quand on va nous soulier? Jordan, quand tu demandes de soulier, on passe un million. Ici, personne va laisser mon soulier. Personne va aller mon soulier ici. Mais c'est vrai. Vous savez comment c'est que je peux dire? People, you will not become millionaire just because of your passion. Become a problem solver. Quand un problème résout, du monde sorti une place, tu connais un travail là, pendant du monde pour sortir. Ben là, il y a un fin quand je finis de sortir. Quel problème vous allez résoudre pour eux? Vous ne pouvez pas manger, vous vendez. Ceux qui rentrent aujourd'hui, je vous trouve ceux qui rentrent ce témoignage. Les types prennent les légumes depuis Montagne Blanche, 5h30 grand matin, Aldo Rosil vend les légumes. Après, il trouvait Benjamin pas rester sur les légumes. Qui fait? Benjamin n'a pas gagné le temps. Nettoie les légumes là. Et là, qui je crois qu'il commence à faire? Il commence à prendre les légumes depuis Montagne Blanche. Légumes nettoyés dans la Montagne Blanche. Par exemple, Zach. Il y a un Zach de petit sassé. Il vend Zach qui finit couper, fini nettoyer. Bohème qui finit couper, fini nettoyer. Plusieurs affaires qui finit couper, fini nettoyer. Bien propre de ça passé qui a amené à les vendre. Allez, il y a comment tout là? Il y a comment tout qui fait? Dans Rosil, quand du monde peut aller vite, j'en prends un taxi, c'est pas qu'il était, tout quoi, je vais gagner, prendre bread, acheter pas le trier, la case, je préfère prendre. Ben, ça fait qu'il finit, allez, nec, vite, oui. Qui m'a peur au Jésus? N'a pas fait une affaire parce que tu as envie. Fais une affaire parce que tu peux résoudre un problème pour la société. Tu peux résoudre un problème, le salatier là. Parce que avec une fait avec vos passions. Mon passion, mon cours servili. Mon dessiné pour l'église, comme au vendredi, dans mercredi, quand je tourne à faire là, vous verrez le lundi. Moi même qui dessine ça, dessine pas d'hier dans le background là. Mon passion, mon cours est dans mon passion. Depuis là, mon peinture, mon donne leçon à Benjamin. Mon cousine qui n'arrête l'école quand il tient à 14 ans, après 10 ans, c'est pas 12 ans, il a envie de faire autre, forme 5, mon donne leçon pendant des ans. Il gagne C. Il va gagner A, parce qu'il n'arrête l'école de forme 5, 14 ans, il récompose forme 5, S6, il me fait gagner C. Mon passion, mon cours content faire autre. Est-ce qu'ils ont pu comprendre qui m'a pas dire? Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Ah, comment tu es arrivé là, vous êtes? Yeah, she did not follow her passion, she was a problem. Qui problème tu résoudes, Ruth? Qui problème tu résoudes? Dans carreau, tu n'as pas de zépi, la tête n'a pas de ça, qui t'est tombé. Parti encore ramasser, il ramasse ça. Il résout un problème. Je vais vous donner un exemple simple. Il est arrivé que moi, devant la case, quand on démasse, maintenant, tu plantes pistasse. À quoi ça, t'es là, mon Dieu, même Michel Blanc qui plante canne, il connaît ça. Il n'est pas planté canne tous les années, il allait mettre canne. Il est bien planté canne. Après, il a arrêté un coup pour planter pomme de terre. Après, il plante un petit coup mélon d'eau. Après, il plante un petit peu pistasse. Même maintenant, il connaît ça. Parce qu'il y a un principe qui m'a aussi ça. Allez, rien, fais non. Maintenant, fini plante pistasse, c'est. Maintenant, dis-moi, il finit ramasse pistasse, mélon d'eau, c'est pareil. Fini plante mélon d'eau, exact, il ne prend, il n'allait pas le vendre. Moi, avec mon petit camarade dans l'ordre, il allait, un peu mélon d'eau, tu, quand tu rôdes, tu gagnes les 3-20 mélon d'eau, rester qui banane quitter, un petit pistasse qui banane quitter, te ramasser, te mettre dans un sac, content, tu peux péter un biscuit, tu peux retourner à la case. Il est en un grand michel, il dit, go, tu vas avec ça là! Qui ça là même là? Et nous pensons, ben là, si elle dort. Pendant 17 ans. Et tous les quoi, ben là, c'est Benjamin dans l'endroit. Pas si elle donne, on y est ça. Et je ne sais pas, une vieille, je n'allais pas, bon, pas tu connais ça, les bouquins, à côté, tu te gagnes peur. Mais qu'est-ce qui me fait? Ben là, je finis récolter, moi, je ne passe pas d'hier, moi, je ne comment dire, passe un pain fin. C'est ce que Ruth, tu peux faire. Ruth, il ne repasse pas d'hier, nettoie Caroline, coupe bien encore. Il est payé pour ça. Je te dis gloire à Dieu. Ok.
Merci Jésus. Chapitre 4, verset 13. Chapitre 4, verset 13. La Bible dit, bon Dieu, il donne la capacité pour concevoir. Bon Dieu, donne la capacité pour gagner les enfants. Bon Dieu, donne la capacité. Alléluia. Dans l'autre, allez, allez, vas-y, vas-y, allez, allez, allez. Boaz et Ruth, il devint sa femme et il alla vers elle. Wow. Et elle permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Enfin, mon Seigneur, quand il quitte la pauvreté, quand il quitte la case, ce moment, quand il décide pas de sa journée-là, il vient avec habilité pour concevoir. Quand il rentre pour travailler, quand il tendait la grâce au lit, il connaît une habilité pour concevoir. Quand il allait pour travailler, Dieu sait qui te l'école, c'est qui te content. Tu ne pas connaître ma maman, tu ne pas connaître mon papa, tu ne pas connaître maman, que ton papa était, toi tu peux maman, toi tu peux papa, tu ne Dieu sait qui te l'école. Mon habilité pour concevoir. Il rentre dans le carreau, il peut travailler, il peut travailler, il peut travailler, il peut travailler. Et quand on arrive là, mon frère, moi, il donne naissance à un joli bébé qui devient grand-père de David. David, pour sortir depuis dans Ruth même, là, son grand. Ruth, l'était grand-mère, grand-mère de David. Et Ruth, il devient grand-mère de Jésus. Jésus, sur génération, sorti depuis de sa femme là. Et où là? Vous pouvez réaliser où on a potentiel pour concevoir des grandes choses. Le deuxième, on a potentiel dans moi. Le deuxième, on a potentiel dans moi. Gloire à Dieu, merci Jésus. Et ce qui m'a content avec Ruth, ah, vous êtes aimé, nous là. Bon, laissez. Demain, peut-être nous causer un petit peu l'eau là. Merci Jésus. Non, laisse-moi aller vite. Ruth chapitre 3, verset 3. Ruth chapitre 3, verset 3. Ce belle-mère, j'ai dit, hé, assez peu pour en faire, mettez un peu pour en faire l'eau, toi. Parfume-toi bien avec mettez un peu linge. Attends, l'étifique venir la main vide. L'étifique venir la main vide. Qu'est-ce qu'il y a pour en faire sa femme là? L'étifique venir la main vide. Il n'y a pas de sinon rien. Belle-mère, j'ai dit, mettez pas en faire. Plus bien, là, j'allais mettre tes jolies linges, mettre tes meilleures linges, coller un meilleur linge, coller un meilleur parfum. Il commence travail, il met sustainable, il commence réussir financièrement, il commence un autre parfum, il commence un autre joli linge aussi. Je dis gloire à Dieu. Voilà. Il n'est plus dans la pauvreté, il n'est plus, mon pote, il prend un parfum, qui dit, mon, il servit, il commence à servir. Il va prendre l'autre colon, il va prendre bien-être. Quand il, mon frère, monsieur, quand il commence travail, il est capable, commence un autre extra. Elle nous a fait en plus de sur la vie. Je dis amen. Pour pas tout dire, n'a pas emprunté, n'a le coquin, un peu parfait. Non, mon frère, monsieur. Elle nous a fait, il tient en patience. Il tient en patience. Mon écrit ça ici, moi. Slowly, patiently, at the right time, happy purchase. Ah, il m'a dit la langue était, pas la langue était. Happy purchase. Gloire à Jésus, merci Jésus. Pour partir de l'attention de deux versets. Ruth chapitre 3, verset 5. Ruth chapitre 3, verset 5. Et Ruth chapitre 3, verset 11. Get ça là, hein? Ruth chapitre 3, verset 5. Get Ruth qui dit ce belle-mère. Ruth dit ce belle-mère. Moi, vous faire tout ce qui te dit. Qui Ruth, il dit ce belle-mère? Moi, vous faire tout ce qui te dit. Moi, vous faire. Un jour, quand Ruth a besoin Boaz. Chapitre 3, allez, allez, frère, allez, frère. Ruth chapitre 3, verset 5. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Ok, Ruth, il dit ça là. Oui. Allez, right. Montre-moi chapitre 3, verset 11, qu'il dit. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Quand toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme. Waouh, waouh. Vous connaissez ça, c'est la bénédiction de Dieu? Mobizin. Allez, viens à Zoe 2. Viens à Zoe 2. Je fais un petit sketch pour les restes de Zoe de la tête, jamais oublier. Allez, viens là. N'importe. Fais comme a dit Lily Naomi, toi, tu Ruth. Allez, dis à les mots, fais tout ce qu'il te dit. Comme ça, attends, on va dire ce qu'il te dit. Ah, il ne dit pas comment, il ne dit pas comment, il ne dit pas comment, comment causer avec Belmeya. Parce qu'il ne dit pas comment, il. Guette-moi, guette-moi. Quand tu es mort, il ne dit pas comment comme ça avec Belmeya, mais fais ce qu'il te dit. Il va manger ça. Allez, viens, redis à lui. Correct là? Un jour, quand il y a une Boaz, et Boaz représente Jésus-Christ. Get Boaz qui peut dire. C'est qu'une fille qui est là, chapitre 3, verset 11. Get Boaz qui peut dire. Il motifie. Moi, vous faites ce qui te demande. Qu'il y a une plantée et qu'il y a une récoltée. Quand tu plantes l'obéissance, quand tu plantes bonne latitude, quand tu plantes bonne guideuse, quand tu honores celui qui, bon Dieu, fait mieux de toute la vie, bon Dieu, get ce langage comment il était avec toi. Quand tu as un dimon sincère, get bon Dieu comment il causait avec toi. Quand tu as un dimon capable d'obéir, c'est qui bon Dieu dit. Regarde-moi maintenant. Si tu obéis ce qui bon Dieu dit, bon Dieu pour obéir ce qui toi te dit. Si toi te fais ce qui bon Dieu dit, bien faire. Quand toi te demandes bon Dieu faire un demande à faire, bon Dieu pour faire ce qui te demande. Extra ça. Merci, je garde mes yeux dans ces. Top ça.
Boaz a dit, I will do what you have asked for. Wow, wow, wow. On n'a pas peur, monsieur. Dans l'église, quand passé, Dieu m'a l'instruction. Dans l'église, quand passé, Dieu fait mes affaires pour l'église. On n'a pas besoin de faire. De te l'obéissance là-dedans. Un Dieu bon Dieu, j'ai aussi. Ouais, qui m'a besoin de faire, c'est. Amen. Ruth chapitre 3, verset 13. Ruth chapitre 3, verset 13. Guide Boaz pour dire une phrase. Boaz pour dire, aussi longtemps qu'il bon Dieu pour vivre. Aussi longtemps qu'il bon Dieu pour vivre, moi pour faire lui. As surely as the Lord lives. As long as the Lord lives. Now that Jehovah is living. Aussi longtemps qu'il bon Dieu vivant. Encore vivant, moi pour faire lui. Moi, je vais vous dire tout de suite. Moi, pas envie de pasteur, comme moi, pas envie de faire pasteur, moi, pas envie de faire pasteur, non. Aussi décidé, moi, pour faire ce qui bon Dieu, j'aime faire aussi longtemps qu'il bon Dieu vivant. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'il bon Dieu également vivant, là, sur la terre, là. C'est comme ça que je vais servir bon Dieu. La pluie, le soleil, n'importe qui arrive, moi, pour servir bon Dieu, moi. Le doux, j'amène. Et moi, tu peux dire des affaires grand matin. Moi, tu peux dire des affaires grand matin. Chanda là-bas, des cotoro. Mon café, ça, pour me pas prêcher. Vous voyez, moi, je peux dire grand matin. Dans sa chapitre, dans sa verset, la même. Get Boaz qui peut dire. Tomorrow, I will become your redeemer. Ou bien, tomorrow, I will redeem you. Demain, pas encore arrivé. Mais Boaz peut dire ce qu'il vous fait demain. Mon frère, mon sœur, arrive là aujourd'hui, ou commence à prophétiser ce qu'il vous fait demain. Je te dis amen. Je te dis demain. Moi, pour faire la paix. Pour les autres du monde. Je te dis demain. Moi, pour prêcher la parole de Dieu. Avec mille âmes. Je te dis demain. Moi, pour donner en abondance. Je te dis demain. Moi, pour un rapport médical. Les clairs. Les propres. Les corrects. Dis ce qu'il te peut faire demain. Get Boaz qui nous fait, il dit ce qu'il peut faire, ce qu'il peut venir demain. C'est pareil. Dieu est besoin de lauréat. Dieu est pour gagner un art de mathématiques. Dieu. Je te dis amen. Et termine, parce que tu as tellement terminé. Je termine avec ça. Moi qui te souligne, ouais, te souligne facile pour tirer. Vina, s'il vous plaît, frère Okavina. Alors, longtemps quand tu fais transaction, dans Ruth chapitre 4, je vous trouve ça, longtemps quand tu fais transaction, tu as toujours des souliers. Longtemps qu'on fait transaction, je demande au soulier. Longtemps qu'on fait transaction, je te sens soulier. Je prends ce soulier, parce que nous faisons une transaction. Ah, c'est un stamp, c'est un stamp là, ça. Ce soulier. Correct là? Et Boaz, il représente qui ça là? Jésus. Boaz, il représente Jésus. Ça veut dire que quand il donne moi ce soulier là, je suis prêt, ça? Quand il demande ce soulier là, c'est qu'il nous tombe dans cette transaction là, il est scellé. Ne pas pour. We are not going to go back in that transaction. It is a done deal. Est-ce qu'il me l'engage à soulier correct? Oui. Allez, merci. Merci. Allez, je te guide, master. Merci, frère. Jean, le chapitre 20. Jean, le chapitre 20. Jésus mort à la croix. Ben là, tu as ce soulier. Suive là. Jésus mort à la croix. Jésus, tu m'as soulier? Qui ben là, tu fais clipier là? Coulouté, PAC. Quand Jésus mort à la croix, ben là, PS sur les pieds, coulouté sur les pieds. Il n'est pas tiens un soulier, ben là, tu tiens ce soulier. Qui fait ben là, tu tiens ce soulier? Parce que Jésus peut faire une transaction là. Et puis, assieds-toi là. C'est une transaction qui s'est déroulée quand Jésus tire de la croix. Et tu prends l'humanité. Et tu peux réconcilier avec bon Dieu. C'est une transaction qui s'est déroulée quand Jésus tire de la croix. Et tu peux payer. Ok, là-dedans, là. Et tu peux payer pour ton péché. Et tu peux payer pour ton maladie. C'est une transaction que Jésus peut faire. Ah, c'est une autre affaire. Quand je voulais Jean chapitre 2, quand Jésus ressuscité. Quand Jésus ressuscité, dans ton tombeau, quand Jésus ressuscité, ben là, galopé, a guetté dans ton tombeau. Dans Jean chapitre 22, vous trouvez ça. Verset 1 à verset 8. Quand ben là, rentre dans ton tombeau, guette qu'il habite, j'ai ben là, t'y trouvé. Je t'y trouve l'inscrit, Jésus t'y mettait ployé. Je t'y trouve l'inscrit, Jésus t'y mettait ployé, bien gardé. Je t'y trouve, bandage, que je t'y mettais dans Jésus sur la tête, bien ployé, gardé. Mais la Bible, pas dire, je trouve ce soulier. Je prends tout ce soulier seulement dans ton tombeau. Qui fait? Parce que transaction que Jésus fait, c'est done deal. C'est que mon Dieu, t'allais là. Comme on prend ce soulier, il n'est pas pour rien. Il n'est pas pour rien ce soulier en moi, là. Il finit là. Tu nous avais le tout. Tu nous avais le tout. Tu nous avais le tout. Mais quand tu me l'as fini, toi casse. Les carrés trouvent sa casse qui est de toi là. Il finit ça, monsieur, madame. Enfin, monsieur, quand Jésus est ressuscité, c'est done deal. Je prends tout ce soulier dans ton tombeau. Pour montrer nous que sa transaction que Jésus fait et une rachète-toi là, l'incomplet. Mets-toi debout dans nos places. Je bénis par la parole de Dieu. Alléluia. Merci Jésus.
Nous disons, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole, la révélation de ta parole. Éclaire-moi. Je prends une décision pour réussir financièrement. Jamais encore. Je suis dans la pauvreté. Jamais encore. Je suis dans le manquement. Jamais encore. Je prends crédit. Je prophétise. Je suis multimillionnaire qui est généreux. Je déclare ma bonne génération pour venir une source de bénédiction partout que je suis allé. Je déclare ma bonne source de bénédiction pour l'Église. Amen. Seigneur, pardonne-moi tout bon moment. Mon acquise-toi. Mon croire. Toi, tantôt. Comment moi suis dans mon manquement. Toi, tantôt. Pour ma situation. Pardonne-moi, Seigneur. Je refuse ce raisonnement-là. À partir d'aujourd'hui, je vais faire ce que la Bible indique moi faire. Amen.